من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله تعالى on va commencer comme d'habitude par faire une révision, Ensuite, إن شاء الله تعالى on va aller à ce qu'il y a de nouveau, Inch'Allah ta'ala. On va commencer par une révision. Une seconde pour que je prépare. Je me prépare une seconde. Inch'Allah ta'ala. J'avais dit la fois passée, j'avais dit que Allah Azza wa Jal, en ce qui concerne la volonté, elle se divise en deux sortes. La volonté universelle et la volonté juridique. قلت في الدرس الماضي أن لله سبحانه وتعالى إرادتين. إرادة كونية وإرادة شرعية. الكونية تسمى أيضا قدرية والشرعية تسمى أمرية. فحبيت أريد أن أعرف أولا يعني ما هو الفرق بينهما. Donc premièrement, quelle est la différence, comment on fait pour savoir la différence entre la volonté ici dans ce verset par exemple, est-ce qu'elle est juridique ou bien est-ce qu'elle est universelle. Avant cela, il y a une question avant cela. Yani, la première question, yani, c'est quoi la volonté universelle? C'est quoi la volonté universelle? Comment qu'on peut yani, nous arrifoua? Comment si on nous demandait c'est quoi la volonté universelle? Qu'est-ce qu'on répondrait? Pour ceux, Inch'Allah ta'ala, qui étaient présents dans le DAS. Et j'avais dit que c'est une chose très importante. Dans la Aqidah, c'est une chose très importante de faire la différence entre les deux volontés. La Azzawajal, yurid, irada, ça, c'est ça la volonté, yurid. Mais il a deux volontés, la volonté universelle, la volonté juridique. C'est quoi d'abord l'universel, c'est quoi la juridique, ensuite quelle est la différence entre les deux? Inch'Allah ta'ala, manna yibdana bil jawab, Inch'Allah ta'ala. أخيرية تفضل. Tu n'as pas le point rouge. تفضل. Tu veux prendre le micro. La volonté universelle, c'est que Allah Azza wa Jal veut qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Ça, on l'a appelé universel parce que tout ce qui se passe dans l'univers ne se fait que si Allah Azza wa Jal le veut. C'est pour ça qu'on dit volonté universelle. Elle s'appelle en arabe al-mashi'a. Ou bien elle s'appelle irada al-qadariya. Al-kawniya. Il trouve al-maqdour. Kul ma qaddarahu Allah Azza wa Jal, fawa yidkhul tahta al-irada al-qadariya. Ouliada se trompe ceux qui disent que le Mashi'a se divise en deux groupes. Ce n'est pas le Mashi'a qui se divise, c'est l'Irada faqat. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est l'Irada faqat qui se divise. C'est l'Irada faqat
qui se divise. Et maintenant, je crois, d'après ce que je vois, que puisqu'il n'y a pas beaucoup de réponses, c'est que beaucoup n'ont pas compris. Allez, je pose encore des questions, ensuite j'explique. C'est quoi la volonté, maintenant l'autre volonté? C'est quoi la volonté, la deuxième, religieuse? La volonté religieuse, il aime, mais elle ne sait pas forcément passer. Ria, tu remarques une chose. Toi, tu... Avec l'autre, c'est juste, mais toi, tu as répondu à la deuxième question que j'avais annulée. Toi, tu me réponds, et tu me parles de la différence entre les deux. Ça, tu me parles de la différence. Moi, je t'avais demandé quel est le tarif. Tarif d'abord, le tarif. C'est ce que j'avais demandé. D'abord, quel est le tarif? Donc, celui qui peut me répondre, il lève la main, c'est tout. Il lève la main, inchallah, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je n'ai pas compris. Léa, toi, tu es en train de dire, moi, je cherche la définition. La définition, et toi, tu es en train de nous dire la différence entre les deux. Je ne suis pas en train de parler en arabe, je suis en train de parler en français, Riyad. Riyad, toi, tu nous as donné la différence entre les deux. Ça. Moi, je demande quelle est la définition. Qu'est-ce que ça veut dire volonté universelle, volonté religieuse. La volonté universelle, c'est que l'Allah Azza wa Jalla, quand il veut quelque chose, il lui dit soit et allez. Donc tout ce qui se passe sur la terre, tout ce qui se passe, que ce soit quelque chose, que l'Azul aime ou n'aime pas quelque chose, aime ou n'aime pas, dépend de la volonté. Quelle volonté? Dépend de la volonté universelle. L'irada, l'kouniya, l'qadariya. C'est pour ça qu'on dit en arabe kouniya. Kouniya, c'est l'univers. Qadariya. Qadariya, qui a rapport avec la prédestination. Tout ce qui se passe à lui, c'est universel. Qadariya. Ensuite, la volonté religieuse, c'est quoi? La volonté, c'est quoi? Je veux savoir, c'est quoi? Je veux pas savoir quelle est la différence entre elle et l'autre. Je veux savoir, c'est quoi? C'est quoi? أبو محمد تفضل. أبو محمد تفضل. إذا شئت تأخذ المايكروفون. جزاك الله خيرا. نعم. نعم. C'est ce que الله عز وجل aime et agré et qui ce n'est pas obligé que ça se passe. الله عز وجل aime des choses et ce n'est pas obligé qu'il les crée et qu'il les fasse. C'est pour ça qu'on maintenant on va dire la différence entre la volonté universelle et la volonté juridique. La volonté universelle, il se peut que Allah Azza wa Jal aime des choses et ne les crée pas. Et il se peut qu'il crée des choses et qu'il ne les aime pas. Mais la volonté juridique, quand il veut quelque chose, il la veut d'une façon juridique, sharia, ça veut dire qu'il l'aime. Il l'aime cette chose. Mais le fait de l'aimer, ça ne veut pas dire qu'elle va être. Allah Azza wa Jal, par exemple, aime que tous les gens soit musulman. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été musulmans. Parce que l'Azza wa Jalla ne l'a pas voulu. Ne l'a pas voulu une volonté universelle. C'est-à-dire que l'Azza wa Jalla a voulu une volonté juridique que nous tous et que tout le monde soit musulman et aille au paradis. Là, ça, il le veut, une volonté juridique. Il aime ça, mahabba. Ça s'appelle mahabba. La volonté juridique s'appelle mahabba. Mais ce n'est pas toujours ce qu'il veut. Il le fait. Ce n'est pas toujours ce qu'il veut, il le fait. Il ne le fait pas, bien sûr, il a des raisons qu'on connaît des fois et des fois qu'on ne connaît pas. لأنه الحكيم. لأنه هو الحكيم. Donc, conclusion, parce que, entre parenthèses, peut-être la semaine prochaine, inshallah ta'ala, la semaine prochaine, surtout pour ceux qui assistaient beaucoup, je vais faire le premier examen. Le premier examen pour voir ceux qui vont répondre. Le vrai examen, écrit, pas celui-là, écrit. Ensuite, vous envoyez les réponses à mon email que je vous donnerai. Ensuite, je corrige et je saurai ainsi qui sont ceux qui vraiment comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui ne comprennent pas, l'arabe, bien, c'est pas de leur faute. Mais je voudrais savoir quel est le niveau de la salle. Quel est le niveau de la salle, Inch'Allah ta'ala. Pour savoir avec qui je parle. Pour savoir avec qui je parle, si je dois aller. Lever un peu le niveau ou bien le descendre, ou bien le descendre. Parce qu'il y a j'ai deux ou trois choses, ou bien beaucoup de choses que je voudrais faire et que je ne connais pas bien le niveau. J'ai deux ou trois livres de côté, je voudrais faire, mais je ne connais pas bien le niveau. Je ne sais pas exactement avec qui je parle, sauf
peut-être 5 ou 10 personnes ou là que je connais dans la salle ici. Al-Muhim, je reviens marche arrière, je dis, je résume, je dis, il y a deux volontés. Sa volonté se divise en deux sortes. Volonté universelle, c'est tout ce qui se passe dans l'univers dépend de la volonté universelle. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Vous pouvez faire quelque chose que si Allah Azzawajal le veut. مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Sauf s'il veut. C'est la volonté universelle. Tout ce qui se passe ici, sur cette vie, les meurtres, les prières, les adorations, les coffres, les foussours, les inas, tout ça, ça rentre dans quoi? Allah Azzawajal l'a voulu. Il a voulu de quelle volonté? Universelle. Pourquoi? Parce que la volonté juridique, ça inclut l'amour. Allah Azzawajal aime. Parce que Allah Azzawajal aime les boissons, l'alcool, il aime la zina, il n'aime pas toutes ces choses-là. Donc, c'est une volonté universelle. Mais l'autre volonté qui est une volonté juridique, une volonté sharia, de la sharia, ça veut dire qu'il aime cette chose. Allah Azzawajal, quand il veut une volonté juridique, ça veut dire qu'il aime cette chose. Mais ce n'est pas obligatoirement, elle arrive. Allah Azzawajal aime, par exemple, que, comme j'ai dit tout à l'heure, aime que Abu Jahl soit un croyant. Il aime ça, parce que Allah Azzawajal aime le bien à toutes ses créatures. Mais ça ne s'est pas passé. Abu Jahl est mort, comment? Il est mort kafir. Donc Allah Azzawajal peut aimer une chose juridiquement, et elle ne se fait pas. Et le contraire. Et il peut vouloir une chose. Il peut vouloir une chose universellement, une volonté universelle, et il ne l'aime pas. Comme il a voulu le coffre de Abu Jahl, il a voulu que les gens boivent l'alcool, il a voulu les meurtres, il les a voulu comment? Une volonté universelle, ça veut dire qu'il n'aime pas, qu'il fasse cela. Mais il a voulu qu'il fasse parce que personne ne peut faire quelque chose si Allah Azzawajal ne veut pas. Personne, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper, comme disent certains qui n'ont pas bien compris la aqida. Ils disent, par exemple, c'est pas Allah qui a voulu que cette chose se fasse. Non, on lui dit, qu'est-ce que tu veux dire par voulu? C'est pas Allah qui a voulu une volonté juridique, tu as raison. Mais Allah Azzawajal a voulu une volonté universelle. Sinon, comment peut-on faire quelque chose si Allah Azzawajal ne veut pas? Tu peux faire, par exemple, toi la prière si Allah ne le veut pas? La même chose pour l'universel. Personne ne peut boire de l'alcool si Allah ne le veut pas. Personne ne peut tuer quelqu'un si Allah ne le veut pas. Pourquoi? On est sûr, son mulk, sa terre lui appartient. Wa anna al-ardha lillah. Yuritu man yasha'u min ibadihi. On est sûr sa terre, on est sûr dans son univers, on ne peut rien faire sans qu'il ne veuille lui, Azza wa Jal, une volonté universelle. Bon, ça je l'ai beaucoup expliqué, c'est seulement maintenant un petit résumé. Et maintenant pour sortir et aller à autre chose, je voudrais d'abord que si vous avez une question spécialement dans ce que je viens de dire, peut-être même pour les débutants là, je vous donne les 5 minutes pour poser une question, seulement en ce qui concerne l'universel et l'autre, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Tafadalo, j'attends. Si vous n'avez rien, je continue. J'attends 2 minutes et je vois. Donc pour moi, je comprends que toute personne qui ne pose pas une question, ça veut dire qu'elle a compris. Et le jour de, quand je vais faire l'examen, je vais voir. Bon voilà, Saliha, elle a eu peur, elle a levé le doigt. Tafadli, Saliha, tafadli, pose ta question, voilà ce qu'on fait. Commence par couper ta question, si elle est longue, parce que tu sais qu'elle ne va pas passer. Et pour être sûr que par exemple, elle n'est pas déconnectée ou là. Tu es avec nous, l'Ukht Saliha, tu es avec nous? Est-ce que tu es avec nous, Inch'Allah Ta'ala? Jazakallahu khairan, Riyad, Allah, j'ai pas fait attention. Jazakallahu khairan. Allah, j'ai pas remarqué. Barakallahu fik. C'est pour ça que, alhamdoulilah, il y a quelques-uns qui sont dans la salle sans le point rouge. Alhamdoulilah. Et ceux qui veulent aider pour la traduction, ils lèvent la main seulement, je leur enlève le point rouge, Allah. Salam alaikum, salam. Pouvez-vous me donner un exemple pour chacune des volontés? Naam. Je te donne un exemple, si tu veux 10 exemples, Inch'Allah Ta'ala. Il faut d'abord que tu comprennes, Anna, l'iradat Allah subhanahu wa ta'ala, t'en qasim la qismain. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux groupes.
Si tu comprends cela, inshallah, man wuffiqa ila fahmi hadha bi idhnihi subhanahu wa ta'ala, fa innahu satazulu anhu inshallah ta'ala mashakil kabira fi al'aqida. Donc celui qui Allah azza wa jalla l'aide à ce qu'il comprenne cela, yani il devient inshallah aqida al-sunnah al-jama'a, pas comme les mu'taziliyyah al-qadariyyah et les autres. Donc Allah azza wa jalla a deux volontés. La première s'appelle universelle car elle a rapport avec ce qui se passe dans l'univers. L'irada al-oula, tout s'appelle l'irada kawniya. L'inna, kul ma yaqa fi l'kawn, lahu alaqa ma'a bihadi l'irada. Ou tout s'appelle qadariya, aydan, l'inna l'qadar dakhal fi hadi l'irada. Ou tout s'appelle mashi'a, tout s'appelle mashi'a. Hadi l'irada al-kawniya. Donc l'universel, la volonté universelle, c'est que en ce qui concerne ce qui se passe dans cet univers, il ne se passe rien dans cet univers, les cieux, la terre, entre les cieux, la terre, sous la terre, la fourmi sous la terre, il ne se passe rien dans cet univers sans que Allah Azza wa Jalla l'ait voulu. L'ait voulu, comment? Une volonté universelle. Ça veut dire qu'il l'a voulu et cette chose a été faite. Ça, c'est la volonté universelle. Allah Azza wa Jalla veut quelque chose, il lui dit soit elle est. Elle est. Ça, c'est la volonté universelle. Irada al-kawniya, al-qadariya, هي ما شاءه الله عز وجل كان ما شاءه الله عز وجل كان وما لم يشاءه لا يكون طبعها لا يكون. Donc cette volonté universelle, Allah عز وجل il crée des choses par exemple dans cet univers, mais ça ne veut pas dire que la chose qu'il a voulu, ça veut dire qu'il l'aime. Non, il peut créer des choses qu'il n'aime pas. Il a créé le shaitan et il l'aime pas. Il a créé l'alcool et il l'aime pas. L'alcool a été créé. Tous nous tous, on a été créés avec ce qu'on fait. La zina a été créée. Tout ce qu'il y a de mal ici, tu vois, tout ce qu'il y a dans cet univers a été créé par Allah. Je dis créé, c'est pas lui qui l'a fait. Il a été créé et il l'aime pas. Et il a dit ne faites pas la boisson, ne faites pas ceci, cela. Il a dit ça rentre dans l'univers seulement. Ça s'appelle la volonté universelle. Là, je veux des choses. Mais ce n'est pas obligatoirement, il les aime. La deuxième volonté, ça s'appelle la volonté juridique. Il aime quelque chose, ça s'appelle, il veut quelque chose qu'il aime. Ça s'appelle le mahabba. L'irada, c'est l'irada shraya, l'irada al-amriya. L'irada, ça veut dire que Allah aime des choses, mais cette irada, cette volonté, Allah aime des choses, mais le contraire de la première volonté, ce n'est pas obligatoirement, il va les créer. Allah Azzawajal aime des choses, et pour des raisons que lui seul sait, il ne va pas les créer. Allah Azzawajal, j'ai dit tout à l'heure, aimerait que tous les gens soient musulmans. Il aimerait que tous les gens l'adorent. Parce que Allah Azzawajal n'aime pas que tous les gens l'adorent, il aimerait que tous les gens l'adorent. Et pourtant, Abu Jahl ne l'a pas adoré, et des millions de gens ne l'adorent pas. Donc Allah Azza wa Jal aime que les gens l'adorent et pourtant il ne le fait pas Azza wa Jal. S'il avait voulu cela, une volonté universelle, tous se seraient prosternés. Mais Allah Azza wa Jal ne veut pas pour des raisons que lui il sait. Donc la volonté juridique, la deuxième, c'est le mahabba, c'est que Allah Azza wa Jal aime des choses, mais des fois ça ne se fait pas. Je donne un exemple, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, « وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ » ويريد الله ان يتوب عليكم الله عز وجل بودري صالح je te pose maintenant la question à toi, c'est toi inchallah qui va répondre. الله عز وجل a dit dans un verset, الله يريد ان يتوب عليكم, الله عز وجل voudrait que vous fassiez le repentir et qu'il accepte votre repentir. Maintenant, est-ce que cette volonté, الله عز وجل voudrait, c'est une volonté universelle ou est-ce une volonté juridique? Je voudrais que tu me répondes seulement pour savoir si tu as compris. Est-ce que Allah Azza wa Jal, quand il a dit je voudrais accepter votre repentir, je voudrais par exemple que vous soyez croyant, etc. C'est une volonté universelle ou est-ce une volonté juridique? Écris-moi seulement universelle ou bien juridique. Juridique, barakallahu fik, juridique, naam. Pourquoi? Comment savoir que c'est juridique? Tu te bases sur deux choses. Awalan. Le repentir, etc. C'est quelque chose que Allah Azza wa Jalla aime. Donc voilà une première preuve que c'est juridique. Car le juridique,
Andoudakh, il a rapport avec l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime. Deuxièmement, deuxième preuve, c'est que beaucoup de gens ne font pas le repentir. Allah Azzawajal aime qu'on se repentisse et beaucoup de gens ne se repentissent pas. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que la volonté juridique, il n'y a pas obligation que ce que Allah Azzawajal veut, il va le faire. Voilà ce que je voulais dire pour le Redbass. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose sur la volonté pour commencer de nouveau, Inch'Allah? Est-ce qu'il y a quelque chose sur la volonté, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on commence quelque chose de nouveau? Bon, Inch'Allah, c'est qu'il y a quelque chose de... Shukran. S'il y a quelque chose... Abu Mohamed Tafaddal, Abu Mohamed Tafaddal. Il vaut mieux que quelqu'un qui a une question et dans la volonté d'Adaoula qu'il n'a pas bien comprise, qu'il la pose maintenant. Et tant qu'on est en plein volonté, tant qu'on part dans les deux volontés, Inch'Allah Ta'ala, dans le ilm, il ne faut jamais avoir honte. Comme disait Aïcha radiallahu ta'ala, Ana rahimallahu nisa al-ansar. Lam yakun الحياء يمنعهن من العلم. رضي رحم الله لفهم الأنصار elle n'avait pas honte quand c'était quelque chose, elle voulait apprendre le din. Alors là on est en train de parler d'aqiba, on n'est pas en train. Abu Mohamed, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir s'il y a des sectes qui ont sorti de cette croyance. Ahsan Allah, qui sont sortis. Bien sûr, il y a beaucoup de sectes qui sont sortis de cette croyance. D'abord les Mu'tazila, qui ne voient pas qu'il y a deux volontés. D'abord, ensuite l'Asha'ira, qui ne font pas la différence entre les deux volontés. Ensuite, il y a même beaucoup d'autres sectes. Il y a par exemple l'Qadariya ou l'Jabriya. Ceux-là, certains disent qu'on est obligé de faire cela, yani, c'est pas Allah Azza wa Jal qui a obligé. C'est nous qui sommes obligés de faire. Et les autres disent le contraire. Allah Azza wa Jal, c'est pas lui qui a écrit ça, c'est nous. Qui faisons. Et le moyen, nous, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidés et qui nous a montré le vrai binhaj et la vraie aqida pour qu'on soit, Inch'Allah ta'ala, sur le chemin des prédécesseurs, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, je crois que c'est terminé avec la volonté. Inch'Allah, ça viendra quand on va terminer le livre, Inch'Allah ta'ala, de l'aqida. Il y aura un deuxième, Inch'Allah, livre et un troisième. Et à chaque fois, ça va venir presque la même chose. Mais formuler avec d'autres formules. Comme ça, à force d'entendre les mêmes choses, ça s'ancre dans le cœur. Maintenant, peut-être, on a un peu de doute, on dit peut-être j'ai pas bien compris, peut-être ceci, peut-être cela. Mais quand tu vas entendre la même chose la deuxième fois, ensuite tu vas l'entendre la troisième fois, après, ça sera ancré dans ton cœur. Et quand tu vas parler des deux volontés, tu vas parler sans hésiter, sans réfléchir, et l'exemple viendra de lui-même, Inch'Allah Ta'ala. En ce qui concerne le dars d'aujourd'hui, ensuite, Cheikh Ben Outaymin, alayhi rahmatullah, il a dit, je le dis ce qu'il y a ici en français, il a dit, nous croyons que ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. Ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, car il possède les attributs de la vie parfaite et de la qiyumiyya. Car il possède. Il possède les attributs de la vie parfaite et de la qiyumiyya. Allah Azza wa Jalla la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Limada? Li'anna as-sina wa huwa bidayat an-nawm. Wa an-nawm dalil 'ala madha? Yani huma 'aybayn. Wa dalil ad-da'f. Dalil ad-da'f. Al-insan lamma yat'abu yurid an yanam aw ta'khudhuhu sinatun. Lakin Allah Azza wa Jalla la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. C'est pour ça que le fait de ne pas dormir, ni de somnoler, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un attribut de perfection. C'est un attribut de perfection chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et chez nous, c'est le contraire. Le fait que tu dormes et que tu te fatigues, c'est quoi? C'est une preuve de faiblesse. C'est une preuve de faiblesse. Est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, chez nous, ou là, de nous, qui peut rester, par exemple, 2 mois, 3 mois sans dormir? Il est impossible. Il est impossible. Pose ta question, je suis en train d'expliquer, pose ta question. Ensuite, c'est pour ça que
quel est le dalil constitue quelque chose là de faiblesse? J'avais dit la dernière fois, tant que rien ne se réalise, on ne peut pas parler de volonté. Exemple, un péché qui ne s'est pas réalisé. Un péché qui ne s'est pas réalisé, ça veut dire que la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté universelle bien sûr, et les deux ici, parce que c'est un péché, les deux volontés, يعني لم الإرادة لم تتعلق لم تتعلق بهذا الفعل. Les deux volontés de Allah subhanahu wa ta'ala ne se sont pas attachées à cette chose. Et je crois que il est préférable de donner avec l'exemple que j'ai donné la fois passée, comme ça très vite, ce sera en même temps une occasion pour les autres de réviser, et pour ceux qui n'étaient pas là. Peut-être que ça les aidera aussi à comprendre. Donc, on a par exemple des adorations. Par exemple, chaque adoration, même si on a une bonne action, ce n'est pas réalisé. Elle est quand même sharia. Même si une bonne action n'est pas réalisée, c'est que Allah Azza wa Jal ne l'a pas voulu universellement. Il l'a voulu juridiquement. Mais il n'a pas voulu, universellement. C'est pour ça qu'on dit que les deux volontés d'Allah subhanahu wa ta'ala, لم تتعلق بماذا بهذا الفعل بهذه العبادة مثلا إرادته الكونية وإرادته الشرعية لم تتعلق بهذا الفعل. C'est pour ça que, par exemple, les adorations qu'on a faites, Par exemple, on a prié, ça fait des années compris, on a fait le carême plusieurs fois, etc. Toutes ces choses-là, je parle seulement des adorations. C'est-à-dire que les choses que l'Azhar aime, je parle des adorations. Ces deux-là, ces choses-là, pardon, la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est attaché. On dit ta'allaqat, je ne sais pas comment ta'allaqat. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est attaché avec ces adorations. C'est pour ça, la volonté universelle, c'est pourquoi on les a faites. Sinon, personne n'aurait pu faire une seule prosternation, il n'aurait pas pu la faire. Donc, la volonté universelle, ça existe dans les adorations qu'on a faites. Et ensuite, la volonté juridique existe aussi dans les ibadettes qu'on a faites. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc, une adoration qu'on a faite, Il y a les deux volontés de Allah subhanahu wa ta'ala qui sont avec elle. Universelle, parce qu'on a fait quelque chose qui est rentré dans l'univers, que ce soit salat ou que ce soit tu tues quelqu'un. Ça, c'est une chose qui a été faite, donc elle est rentrée dans la volonté universelle. Ensuite, puisque c'est une salat et c'est une adoration, donc c'est la volonté juridique qui est rentrée aussi ici. Maintenant, si... D'abord, je commence par Hassan. Tfadal Hassan. Maintenant, si, par exemple, le contraire, je vais dire maintenant, les péchés que les gens ont fait, c'est quelque chose que l'Azhar n'aime pas, et c'est quelque chose qui a été fait déjà. Donc, seule la volonté universelle s'est attachée avec les péchés qu'on a fait. La preuve, Allah je n'aime pas les péchés, donc c'est pas une volonté juridique, et les péchés se sont déjà faits, donc c'est une volonté universelle. Maintenant, les adorations qu'on n'a pas faites. Par exemple, Inch'Allah Ta'ala, dans un mois, Inch'Allah Ta'ala, je vais faire le Ramadan. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. C'est qu'est-ce qui est attaché avec cela? C'est la volonté juridique qui est attachée, parce que Allah veut que je fasse cette adoration, dans un mois, il voudrait que je la fasse. Mais l'universel ne s'est pas encore attaché parce que je n'ai pas encore fait le Ramadan. Et quatrièmement, les péchés qu'on n'a pas faits. Les péchés qui n'ont pas encore été faits. Donc il n'y a pas la volonté juridique parce que les péchés n'ont pas été faits. Il n'y a pas la volonté universelle parce que les péchés n'ont pas été faits. Il n'y a pas la volonté juridique
parce que Allah Azza wa Jalla n'aime pas les péchés. Tafadal le Hassan, jazakallahu khair, tafadal. Ah, donc j'ai oublié le pain rouge. Et alors, qu'est-ce qui n'est pas compris? Toutes les deux là sont comprises. Ah, alhamdoulilah. Donc, Zanjabila, prépare-toi. Dans une semaine d'examen, on va voir. Celui qui a vraiment compris, on va voir, inshallah ta'ala. Fadbal, Hassan. Tafadbal. Hassan n'est pas là? Comme Al-Bun bin Masjid. قلب معلق بالمسجد. ستكوشي. نعم رجل قلبه متعلق بالمساجد. رجل رجل قلب معلق بالمساجد. Quelqu'un qui a un cœur, نعم un cœur attaché à la mosquée. معلق. نعم. Voilà. Maintenant on continue inshallah ta'ala الدرس. الله عز وجل ne le prend ni somnolence, début du sommeil, ni sommeil. Pourquoi? Je viens de dire parce que la somnolence et le sommeil, c'est un délil de faiblesse. Délil de faiblesse. Et encore, et autre chose, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il va perdre le contrôle de la chose qu'il gérait ou là qu'il faisait. S'il est en voiture, il somnole 30 secondes, c'est directement l'accident. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait. Surtout les voyageurs savent cela. Il y a des millions qui sont morts, quoi, parce qu'il a fermé les yeux à peu près 5 secondes seulement. Tu comptes à 5, 1, 2, 3, 4, 5, il se trouve déjà dans un ravin, il est mort. Donc quand on somnole seulement, on perd le contrôle. Alors, là, Zéodil, s'il somnolait, ça veut dire qu'il va se passer, ou bien s'il dormait, il va se passer dans ce monde des choses qu'il ne peut pas, alors c'est pas lui qui va gérer le monde dans les minutes où là où il va dormir. Il va se passer des choses sans sa volonté. Donc il va se passer des choses sans sa volonté, sans les contrôler, non, sans contrôler. Et sans ilm, sans sa science. La Zawajal sans sa science. Ensuite, ma'adallah. Ensuite, il va se réveiller, il va trouver des choses qui ont été faites et qu'il n'aime pas, ou bien des choses qu'il aime, qui n'ont pas été faites. Ma'adallah. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Moi, je connais quelqu'un, puisqu'on parlait de contrôle, qui venait comme ça d'un voyage. Il m'a dit tellement j'avais sommeil, je me disais je vais arrêter. Comme ça qu'on fait. On dit je vais m'arrêter. Ensuite, Khalid, dit 5 minutes, dit 10 minutes, je vais Khalid, la prochaine ville. Ensuite, il m'a dit, j'ai senti que khalas, j'allais dormir, j'ai senti. Ensuite, il m'a dit, je n'ai rien senti. Je me suis trouvé à l'hôpital en train, on m'avait fait des dentiers. Tous ses dents étaient partis, étaient cassés, le visage balafré, on lui a mis des morceaux de fer dans ses mains. Une mouchkila kabira à cause de quoi? À cause de 3 secondes seulement. 3 secondes qu'il a fermé seulement comme ça les yeux. Donc, la azzawdullah ta'khudhu sinatun wa la nawm. Wa nawm. C'est pour ça que, je me rappelle quelque chose, c'est pour ça que, quand je dis que quelqu'un qui dort, il perd le contrôle, il ne sait plus ce qu'il fait, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait des ablutions, il a parlé du naum, le naum. Il a dit l'aïnu wika usah. L'aïnu wika usah. Ida namet impalak. C'est un hadith sahih, bien sûr. C'est à peu près, je l'ai dit en ce sens. Mais il a dit à peu près comme cela. Il a dit que l'aïn wika usah. Ça, pour vous expliquer cela, quand on a par exemple une gourde, par exemple, où il y a de l'eau à l'intérieur, autrefois les gourdes par exemple étaient en cuir, elles étaient en peau de cuir. Maintenant, la gourde qui est en cuir, s'il y a de l'eau à l'intérieur, il n'y a pas un bouchon. Qu'est-ce qu'on fait? On attache par exemple avec une ficelle. La ficelle s'appelle l'ouïka. L'ouïka. Si tu ouvres la ficelle, l'eau va tomber, surtout si la gourde est attachée par en haut. Comme ça qu'on faisait autrefois, attachée par en haut,
et yani, si je puis dire, sa bouche vers le bas est attachée vers une ficelle. Si on veut boire l'eau, on ouvre un peu la ficelle et l'eau commence à descendre. Le prophète a dit Al-Ain wika usah. Il a dit comme la ficelle par rapport à la gourde, si tu ouvres la ficelle, la gourde, sa bouche va s'ouvrir et l'eau va descendre. Il a dit la même chose, l'œil, il a dit par rapport à notre derrière, par rapport. Il a dit, si l'œil yani, est ouvert, tu peux te contrôler, s'il y a quelque chose là, qui sort de toi par derrière, ou là, des gaz, là, tu peux te contrôler. Il a dit, mais si tu dors, tu fermes les yeux, même 30 secondes, tu ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être tu as perdu les ablutions. ثم قال الشيخ على رحمة الله ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله ونؤمن بأن الله عز وجل لا يظلم أحدا لكمال عدله et nous croyons que Allah عز وجل ne commet d'injustice envers personne car sa justice est parfaite. Allah عز وجل ne commet d'injustice envers personne car sa justice est parfaite. Et plusieurs versions de l'Azza wa Jalla lui dit وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Il y a beaucoup d'ayats où l'Azza wa Jalla dit que jamais, au grand jamais, il est injuste avec quelqu'un. En arabe, on dit ظَلَمَا يَظْلِمُوا. Je ne sais pas, je n'ai pas encore trouvé le verbe, s'il y a un verbe en français où on dit ظَلَمَا يَظْلِمُوا. Je sais qu'on dit être injuste, etc. Mais est-ce qu'il y aurait peut-être un verbe qui veut dire valama par exemple, et yavlimo. Ce verbe, inshallah ta'ala, si la prochaine fois vous pouvez me le trouver, vous me le dites, barakallahu fikum, j'ai beaucoup besoin de ce verbe, s'il existe. Bon, j'ai oublié s'il y a ce verbe ou s'il n'y a pas. Je dis que Allah Azza wa Jal, jamais au grand jamais, yavlimo ahadan. C'est pour ça que le jour du jugement dernier par exemple, si opprimé, na'am. Si le jour du jugement dernier, tu vois Allah Azza wa Jal faire entrer quelqu'un en enfer, alors que cette personne, tu ne la voyais que, par exemple, qu'à la mosquée, du matin au soir, attention, que tu dises peut-être Allah Azza wa Jal, donc, il a oppressé ou l'a opprimé cette personne. Ma'adallah. Jamais, au grand jamais, il ne doit y avoir dans ton cœur que Allah Azza wa Jal peut opprimer quelqu'un, même si c'est yani, un petit rien. C'est impossible que Allah Azza wa Jal yavlim ahadam. C'est pour ça, comme je viens de dire, si tu vois quelqu'un, yom al-qiyam, Allah Azza wa Jal, le faire rentrer en enfer alors qu'il était, par exemple, du matin au soir à la mosquée, ça veut dire qu'il était du matin au soir à la mosquée, d'après ton ilm, toi, d'après ta science. Mais quand il sortait de la mosquée, tu ne sais pas ce qu'il faisait. Ensuite, tu ne sais pas s'il venait à la mosquée à cause de Allah subhanahu wa ta'ala ou bien il avait d'autres choses à faire dans la mosquée. Ensuite, tu ne sais pas comment qu'il est mort. Toi, tu voyais cette personne à la mosquée. Ensuite, tu l'as perdu de vue. Peut-être qu'il est mort avec une croix sur sa poitrine. Tu ne sais pas, toi, ce qui s'est passé. Mais il est mort boudé. Les bouddhistes, tu ne sais pas ce qui s'est passé, car c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est pas ce que tu as vu, toi. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, a dit, « وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُ لَكُمْ فِي مَا يَبْدُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِي مَا يَبْدُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ » Donc, voilà un hadith très clair qui montre que le prophète a dit, il y a quelqu'un qui fait des actions de ceux du paradis, en ce qui apparaît aux gens, alors qu'il est de ceux qui iront en enfer. Et il y a des gens qui font des actions de ceux qui vont à l'enfer, ça veut dire l'alcool, etc. En ce qui apparaît aux gens, et pourtant il est de quelqu'un qui va partir à autant. Donc je disais qu'Azza wa Jal, c'est pour ça que
vous remarquez que par exemple Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, vous remarquez par exemple que yani chauffe Allah Azza wa Jalla lorsque on a peur de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit de lui. Ça, on a peur de quelqu'un, on s'enfuit de lui. Moussa alayhi salam, quand il a eu peur de Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? خرج منها خائفا يترقب. Il est sorti de Misr, خائفا, en ayant très peur, et يترقب, en regardant derrière lui, est-ce qu'ils sont derrière lui ou pas. Pourquoi? Donc il a peur. Donc quand on a peur de quelqu'un, on s'enfuit de lui. Mais Allah Azza wa Jalla, quand on a peur de lui, on s'enfuit vers lui. C'est pas on s'enfuit de lui, on s'enfuit vers lui. Comme a dit Allah Azza wa Jalla, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Toute la différence. Quand tu as peur de quelqu'un, tu t'enfuis de lui, tu as peur de lui, il va te prendre, il va t'emprisonner, il va te tuer. Allah Azza wa Jalla, si tu as vraiment peur de lui, qu'est-ce que tu fais? Tu t'enfuis vers lui, tu te prosternes et tu pleures et tu commences à lui demander qu'il te pardonne car tu as regretté ce que tu as fait et tu pleures et tu fais un peu sortir un peu d'argent, etc., etc. Donc, quand on est sincère et on a peur d'Allah, on fuit vers lui. La même chose pour le adl. Le adl. Quand on a peur de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a peur de quelqu'un, les gens, on a peur de quoi? On a peur de leur injustice. En ce qui concerne les gens, on a peur de leur injustice. Allah Azza wa Jalla, on a peur de quoi? On a peur de sa justice. Les gens, on a peur de leur injustice, ils vont nous opprimer, nous oppresser, nous léser à cause de leur injustice, s'ils sont injustes. Allah Azza wa Jalla, on a peur de quoi? On a peur de sa justice. Pourquoi? Pourquoi on a peur de sa justice? Parce que si Allah Azza wa Jalla va يوم القيامة يعاملك بعدله فإن لا أحد سيدخل الجنة. Si Allah Azza wa Jalla يوم القيامة il va nous يتعامل معنا, يعني il va nous, comment on dit يتعامل معنا? Il va, Allah Azza wa Jal, le jour du jugement dernier, yani, il va se baser sur sa justice, personne de nous ne pourra rentrer au paradis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Naam. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Donc, vous voyez, Allah Azza wa Jal dit, si yani, il va se comporter, on dit se comporter, c'est pas ça, se démalèche. Il y a littéralement, intégralement, c'est se comporter, ça. Mais est-ce que ça se dit en Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, bab sifat ou sa'bim bab asma, comme vous devez le savoir. Donc, Allah Azza wa Jal, yawm al-qiyama, nous on demande qui soit avec nous, avec yani, sa rahma, pas sa justice. Si c'est avec sa justice, tous on va aller à Jahannam ou l'ayyadu billah. C'est pour ça que maintenant il y a une question très importante, en ce qui concerne la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de poser cette question importante, je vais voir Ilyas Abou Anas ce qu'il veut dire. Alaykoum salam wa rahmatullah, tafadhal. Quoique ce n'est pas le moment de poser des questions, c'est tafadhal. Quand je vois quelqu'un là lever la main, je me dis peut-être c'est quelque chose de grave ou là, tfadal là, vous voulez. Ah, tfadal. Ah, jazakallahu khairan. Voilà. Tamahan, inshallah ta'ala. Maintenant, il y a une question. Nous traiter, ça. Si la Dieu nous traite avec sa justice, c'est une grande mouchkila. Mais si nous traite avec sa rahma, alhamdulillah, alhamdulillah. Je disais que, ensuite, les ulama ont posé une question, ils ont dit, puisque vous dites, maintenant je vous pose la question à vous, celui qui connaît la réponse, il me donne la réponse, il lève la main pour la réponse. Est-ce que nous on dit que Allah Azza wa Jal, ala kulli shay'in qadir, Allah Azza wa Jal peut faire tout ce qu'il veut, ala kulli shay'in qadir. Et on ne dit pas comme les ashaïra, ils disent Allah ala ma yasha'u qadir, ma yasha, faqat, laisse ala kulli shay. Nous on dit non, Allah Azza wa Jal ala kulli shay. Si on dit à la main, ça veut dire la chose qu'il ne veut pas, il ne peut pas la faire. Ça, c'est pas vrai. Allah Azza wa Jal, à la Kudishin Khadir. Donc voilà la question. Puisque Allah Azza wa Jal est, il veut faire tout ce qu'il veut faire, il peut le faire. Innama qawluhu li shay'in idha aradahu an yaqula kun fayakun. Hal Allah Azza wa Jal yaqdir ala al-zulm?
Allah Azza wa Jal, non, capable de toutes choses. Est-ce qu'il est capable de faire de l'injustice? Comprenez bien ma question. Je ne dis pas est-ce qu'il fait, est-ce que je dis est-ce qu'il est capable. Est-ce qu'il est capable de la faire? Hakim, tafadhal. Oui, mais il l'est interdit à lui-même. Khalil Choflochlin. Ilyas, tafadhal. Ilyas. Oumsakina ou Saliha Abu Mohamed, préparez-vous la khod directement, vous collez l'okhra. Ilyas Abu Mohamed, tafadhal. Ce que je voulais dire aussi. Moi, je voudrais que tu me répondes à ma question d'abord. Tu me dis, il peut ou il peut pas. C'est tout. Il peut ou il peut pas. Je vais revenir vers toi. Oumsakina, tafadhal. Oumsakina, non, mais il s'est interdit à lui-même. C'est pas cela ma question, Oumsakina. Ma question c'est, il peut, s'il veut ou là il peut pas. Seulement ça, je sais qu'il s'est interdit. Il peut ou là il peut pas. Au Saliha, elle a dit, naam, il peut. Abu Mohamed, je crois que tu as déjà répondu. Hein. Mais allez, réponds. Naam, il peut. Je sais pas si comment on dit cela. Aliya. Tafadali. Il peut ou il peut pas. Teliana. Enlevé. Il peut. Muslim 2005. Tafadali. Peut ou là, il peut pas. Il peut. Jazakumullah khayran. Yani, je n'ai vu aucune réponse qui était fausse. Allah Azza wa Jal peut, mais il s'est interdit. يا عبادي حرمت الظلم على نفسي وجعلت فيما بينكم محرما فلا تظلموا. Parce que si tu dis il ne peut pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as réduit sa volonté. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'Azza wa Jal ne peut pas faire. Et c'est pour ça que l'imam, le Barbahari, l'un des plus grands savants de Al-Sunna al-Jama'a, malgré cela, un grand imam à la rahmatullah, il a dit que l'Azza wa Jal ne pouvait pas faire le dhulm, ne pouvait pas le faire. C'est pour ça que Cheikh Islam Irimiya a écrit yani une risala pour prouver et montrer et annuler ce qu'avait dit Barbahari alayhi rahmatullah. Il a dit que majesté savant, etc. Mais ce qu'il a dit ici, il est faux. C'est pire. C'est quelque chose que de yani une parole de Mubtadi'a. Cette parole de dire que Allah Azza wa Jal ne peut pas faire ceci, ne peut pas faire cela. Donc Allah Azza wa Jal, tu vas lui réduire toi ta volonté, hein, non pas de volonté universelle, bien sûr. On n'a pas dit il aime le don. Il n'aime pas, mais il peut le faire s'il le voulait. El Mohim. Ensuite, il a dit, Cheikh, il a dit, وَبِأَنَّهُ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَنْ أَعْمَالِ عِبَادِهِ بِكَمَالِ رَقَابَتِهِ وَإِحَاطَتِهِ. Allah Azza wa Jal, ليس بغافل عن ماذا؟ عن Allah Azza wa Jal, ليس بغافل عن عِبَادِهِ عن أَعْمَالِ عِبَادِهِ بِكَمَالِ رَقَابَتِهِ وَإِحَاطَتِهِ. Et on atteste que Allah Azza wa Jal n'ignore point et n'ignore rien des actes de ses serviteurs. Car sa surveillance est parfaite et il cerne toute chose de son savoir. Là aussi, bien sûr, les bid'i, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a toujours les bid'i, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent? Certains disent que Allah Azza wa Jal ne connaît que la chose qui a été créée. Yani, Allah Azza wa Jal connaît, c'est des choses, je dis c'est des choses, après qu'elles soient créées. Ça veut dire, avant d'être créées, il ne les sait pas. Ma'avallah. Nous on dit, ça c'est pas vrai. Allah Azza wa Jal, avant de créer la chose, il sait. C'est pas, elle est créée ensuite, il sait. Cette chose, ça se fait à nous. Nous, on ne sait pas, on ouvre une boîte, avant de l'ouvrir, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ouvre, on dit, tiens, il y a un bracelet. Tiens, il y a, je ne sais pas quoi à l'intérieur. Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas, il attend qu'on ouvre pour qu'il sache ce qu'il y a. Car il y a une secte qui dit cela. Nous on dit pire, on dit, même la chose que Allah Azza wa Jal n'a pas créée, il sait, s'il l'avait créée, comment elle aurait été faite. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle de certains kuffars, lorsqu'il va les faire rentrer, il ne les a pas encore fait rentrer en enfer. Mais lorsqu'il va les faire rentrer, ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les remette dans cette vie une autre fois. Qu'il les fasse revenir dans cette vie une autre fois. Donc Allah Azza wa Jal, déjà il sait qu'ils vont lui demander qu'il les fasse revenir dans cette vie une deuxième fois.
Et la Azouja a dit, et si je vais les faire revenir dans cette ville une autre fois, ils vont refaire la même chose, ils vont refaire le coffre, etc. Comme il a dit dans le Coran, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَنْ نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ وَلَوْ رُدُّوا, et s'ils revenaient vers cette ville, لَعَادُوا لِمَنْ نُهُوا عَنْهُ, ils auraient fait la même chose que j'ai interdite, وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ, ce sont des menteurs. Donc vous remarquez, Allah Azza wa Jal sait que même s'il va les faire revenir, et il ne va pas les faire revenir, mais il sait que s'ils vont revenir, voilà ce qu'ils vont faire. Comme disent As-Sunnah wa Jama'a, يَعْلَمُ مَا كَانَ وَيَعْلَمُ مَا لَا يَكُنْ وَمَا لَمْ يَكُنْ لَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُنْ. Et même la chose qui n'a pas encore été faite ou la créée ou là, il sait si elle va créer, comment qu'elle va être. Ensuite il a dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لِكَمَالِ عِلْمِهُ وَقُدْرَتِهِ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ. Et nous croyons, ici cher, je le dis en français, et nous croyons que Allah Azza wa Jal, nulle chose ne peut réduire son autorité. La yu'ajizu shay'un fi samawati wa la fil ard, que ce soit dans les cieux ou sur terre. Car son savoir est très puissant. Car son savoir est très puissant. Et car sa puissance aussi, son savoir et sa puissance sont absolus. Ils sont absolus. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit, Cheikh Ibn Rajim a dit, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يُلْشِقُهُ تَعْبٌ وَلَا إِعْيَا لِكَمَالِ قُوَّتِهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, أي مَا مَسَّنَا مِنْ تَعْبٍ. Et nous attestons qu'aucune fatigue ni épuisement ne peuvent l'atteindre car sa force est totale. Comme a dit Allah Azza wa Jal, certes nous avons créé les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux en six jours, sans éprouver aucune lassitude. Aucune lassitude. C'est pas comme les juifs qui disent quoi? Qui disent que Allah Azza wa Jal s'est fatigué, ensuite il a pris le samedi repos. Donc nous, on va faire gagner l'Aïd, notre Aïd pour eux, pour les juifs, ils disent que c'est le samedi. C'est le jour où Allah Azza wa Jal s'est reposé. Na'av Allah wa da'an Allah. الكذبين لعن الله الكذبين والمفتارين. pire que ça quand ils vont à leur mur, le mur de la honte, ils vont pleurer là-bas. Qu'est-ce qu'ils disent entre autres? Yani quand ils prennent le livre et ils commencent à lire et à pleurer, à se frapper la tête, je ne sais pas ce qu'ils font, ils disent oh Allah réveille-toi, réveille-toi, oh Allah réveille-toi, réveille-toi, oh Allah réveille-toi. Pourquoi? Ils disent Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dort, il dort aussi. Alors il lui dit, réveille-toi, il y a des choses très graves qui se passent là, tu es en train de dormir, il y a les musulmans qui ont fait ceci, cela, réveille-toi, réveille-toi. La 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 quwwata illa billah. L'égarement, où il peut arriver à dire chez certains gens, ou la yadu billah. Wa nu'minu bi thubuti kulli ma athbata Allah li nafsihi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam من الأسماء والصفات لكننا نتبرى بالمحذورين عظيمين هما. Et nous croyons fermement à tout ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé à son propre sujet quand il parle de lui, ou tout ce que son messager a affirmé à propos des noms et des attributs d'Allah, mais nous désavouons deux principes. Il y a deux choses que nous n'aimons pas. La première, nous désavouons ce qu'on appelle en français l'anthropomorphisme, التمثيل. أي أن يقول بقلبه أو بلسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين. C'est-à-dire le fait de dire dans son cœur, ou bien avec sa langue, la même chose. Même si c'est dans le cœur, le fait de dire que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux comme les attributs de ses créatures. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle temthil. Et j'ai dit que là, temthil, c'est très grave. C'est très grave. Parce que j'ai déjà dit la fois passée, il y a une ressemblance. Il y a temthil seulement dans le nom. Dans le nom, il y a ressemblance. Tu dis main de X et main d'Allah. Voilà la ressemblance dans le mot main.
Mais jamais mes mains ne peuvent être comme celles des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et jamais les mains d'Allah ne peuvent être comme mes mains. Ma'adallah. Et j'ai expliqué, j'ai bien expliqué la fois passée, j'ai dit, même les choses n'ont pas de sens que dans leur contexte. Les choses ont leur sens dans leur contexte. Quand je dis main et je me tais, je ne dis pas la main de qui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que si tu me dis main du singe, là je comprends comment quelle est la main. Tu me dis la main de l'être humain, je comprends. Tu me dis la main du couffin, le couffin il a deux mains, là je comprends. Et déjà c'est autre chose, ça n'a ni doigt ni rien. Donc, quand tu me dis main, je ne comprends pas. Maintenant, quand tu dis main du singe, j'ai une idée, c'est quoi la main du singe? Tu me dis main d'une personne, c'est autre chose. Tu me dis la main du couffin, c'est autre chose. Tu me dis la main d'Allah, classe, je me dis donc l'Azawil a deux mains véritables, mais je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu ses mains, je ne peux pas savoir comment elles sont faites. Mais il a deux mains, il a deux mains, il n'a pas, je ne dis pas comme les autres. Je ne dis pas ça veut dire qu'il a deux puissances. Ou la deux niyama, ou la deux je ne sais pas quoi. On prend les ahbash et les ashab, deux mains véritables. Est-ce qu'elles sont comme mes mains? Impossible. Quiconque dit que l'Azawajal a deux mains comme mes mains, qu'est-ce qu'il a fait? Kafara. Et s'il dit qu'il n'a pas de main, ça veut dire aussi qu'il a fait le kuf. Donc, quand tu dis n'a pas kuf, tu dis la kuf. On laisse la science du comment à Allah subhanahu wa ta'ala. Seul lui, Azawajal, connaît le comment. Seul l'Azawajal connaît le comment. Et je vous ai donné une fois un autre exemple en arabe. En arabe, on peut le dire car la langue arabe est très riche. Par exemple, quand on dit tête, j'ai dit quand on dit tête, ras, aussi ça n'a pas de sens. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas mettre le mot ras, tu vas l'attacher à quoi? Si tu dis ras l'insan, d'accord, je comprends que ça veut dire ras l'insan. Tu dis ras l'far, ras la tête du rat, maintenant ça a changé. Tu dis ras, la tête de l'éléphant, ça a aussi changé. Tu dis ras el mel, ça c'est autre chose, ce n'est même pas une tête. Quand tu dis, pourtant, c'est le mot tête, ras el mel, c'est aussi des bénéfices. J'ai oublié comment ça s'appelle ça en argent. Quand quelqu'un a de l'argent, avec cet argent, il va faire un projet. Ça s'appelle l'argent avec lequel il va faire le projet, ça s'appelle ras el mel. Maintenant, si tu dis ras el ibra, c'est le trou de l'aiguille. Tu dis Ras el Djebel, c'est le sommet, ce n'est plus une tête. Pourtant, tu vas dire Ras el Djebel. Tu dis Ras el Qawm, tu dis le chef de ce groupe, c'est Ras el Qawm. Alors, regardez le mot Ras, tu as employé le mot Ras, mais il a beaucoup différé d'un contexte à l'autre. La même chose. Tu as dit Ma, Khalas, je reconnais la deux mains, mais je ne sais pas, je ne connais pas comment elles sont faites, car je n'ai pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et je n'ai pas vu ses mains. Le jour du jugement dernier, inshallah ta'ala, je serai musulman, vrai musulman, je vais rentrer au paradis. Ce jour-là, on verra tous Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est tamthil. Tamthil, j'ai dit qu'on ne cherche pas, on ne dit pas qu'elle ressemble à celle des personnes. Ou tafyif, la deuxième chose qui n'est pas bien, questionner le comment des attributs d'Allah. Le fait de dire dans son cœur ou avec sa langue, le comment des attributs d'Allah sont comme ci ou comme ça, ça on rentre dans le tekif. Ça, c'est haram. C'est haram de dire c'est comme ceci ou comme cela. Naam, le capital, c'est le mal. Le capital, naam. En arabe, on dit ras el mal. Et pourtant, ce n'est pas une tête. Donc, on a ajouté la tête à l'argent. C'est devenu capital. El mohim. Le deuxième groupe, qu'est-ce qu'il fait? Le deuxième groupe, il cherche comment? Il se dit, d'accord, je reconnais que Allah Azzawajal a deux mains. Khlas, je ne dis pas comme disent les Ahbash et les Asha'ira, qu'il n'a pas deux mains, il a deux puissances, etc. Je reconnais qu'il a deux mains, mais il veut chercher comment, le comment des choses. Le comment, c'est interdit en islam de chercher le comment de Allah subhanahu wa ta'ala, soit en son essence, en son entité, et soit en ses attributs. On ne cherche pas le comment, car si tu vas rester des millions d'années à essayer de chercher, tu ne pourras jamais trouver. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tafakkaru fi Allah, authentifié par Cheikh Al-Albani. Il a dit tafakkaru, yani,
réfléchissez, si je puis dire, réfléchissez, tafakkaru, bien regardez, etc. Tafakkaru, yani, fi, ana illah. Regardez ce que Allah Azza wa Jalla a créé. Regardez dans ses cieux, regardez le soleil, regardez les montagnes, regardez. Et, monsieur, regardez, yani, tafakkaru, réfléchissez sur ces choses-là, mais ne réfléchissez pas sur Allah. Ne dites pas, je vais rester, méditez. Jazakallahu khairan. Méditez sur ces créatures, ne méditez pas sur Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu resteras des années, 30 années, 40 années, tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras pas. C'est pour ça que le sunnah al-jama'i dit dans la aqidah, qat'al matami' an idrak al-kayfiyya. Ça c'est un grand titre dans les livres aqidah tahawiyya et les autres, aqidah al-wasitiyya. Qat'al matami' c'est pas la peine de rester 5 ou 10 ans ou 30 ans ou 100 ans, tu n'arriveras pas. Donc laisse ce problème de côté, le comment des choses, le comment. Toi, tu as une chose que tu n'as pas vue, tu as le paradis seulement, tu ne peux pas savoir comment il est fait. Pourtant, il est décrit dans le Coran, il est décrit, mais sa description, c'est juste pour te faire comprendre. Sinon, ce que tu vas voir, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque chose qu'on n'a jamais vu des yeux, ni entendu de l'oreille, ni son idée est passée sur ton cœur, à l'intérieur de ton cœur. C'est seulement des noms comme ça. Ben, je l'ai dit, il a dit par exemple qu'il y a anhar min khamr, il a dit ici le vin, il a dit qu'il y a inab, il a dit qu'il y a nakhl, il a dit qu'il y a roman, les grenades, les raisins, etc. Mais ce n'est pas les grenades comme les grenades que tu manges, ce n'est pas le raisin comme le raisin que tu manges. Sinon quoi? Sinon le jour du jugement dernier, quand Allah Azza wa Jalla va donner du raisin comme celui qui se trouve ici au marché, il va donner les figues comme celles qui sont au marché, tu vas lui dire, Allah, pardon, excuse-moi, mais je croyais que le paradis, Annie, c'était quelque chose, Annie, qui extraordinaire. Alors que ces choses-là, il y avait dans le souk ici. Je les ai achetées. Non, impossible. Il faut qu'il te donne des choses que tu n'as jamais vues ou l'as entendu parler. Même entendu parler, tu n'as pas entendu parler. Même l'idée, c'est l'idée de ces choses-là. Annie, même en rêve, tu ne les as pas vues, ces choses-là. En rêve. Tu ne peux pas. Jamais dans ton cœur n'est passée une idée sur le fruit qui existe ou quelque chose qui existe au paradis. Eh bien, seulement le paradis, une des créatures d'Allah. Comment veux-tu Allah Azza wa Jalla que tu médites sur lui et que tu arrives à une conclusion? Donc, il ne faut pas. Yani, c'est le shaitan qui vient et il va égarer les gens. Il va leur dire, eh bien, on va méditer, on va essayer de savoir comment il est, etc. Ceux-là, bien sûr, ce sont des égarés qui perdent le temps. Toi, médite sur le Coran. Attalay tadabbaruna al-Qur'an. Médite ce qu'il y a dans le Coran. Essaye de faire ce que Allah Azza wa Jalla t'a dit, essaye d'éviter ce qu'il t'a dit, et comme a dit Allah Azza wa Jalla, wa fi anfusikum afala tubsirun. N'allez pas loin, regarde en toi-même, Allah Azza wa Jalla a dit. Il a dit pourquoi tu vas loin? Regarde en toi-même, wa fi anfusikum afala tubsirun. Regarde bien tes deux pieds, comment ils sont faits, regarde tes mains, regarde tes yeux, tes cheveux, comment tu es fait. Subhanallah, médite sur toi-même. Yani, l'insan yata'ajjab, l'insan, le muslim, l'adhi ya Rabbi, bi nuri Allah subhanahu wa ta'ala. يتأجب إذا بدأ فقط يعني يتأمل في نفسه قم ديز العلماء ديز دون سيفرس وفي أنفسكم ما فلا تبصرون يقولون يديز دو لابوش المدخل واحد والمخرج مخرجان يديز وقرد كنت يفي رنتري كيك شوز بار لابوش يفي رنتري par exemple دو لو كيك شوز دو ليكيد و تي مانج par exemple une poire comment se fait-il en ce qui concerne la bouche comment se fait-il on fait rentrer deux choses par la même bouche, on fait rentrer de l'eau. Et on fait rentrer, on mange par exemple une poire, l'eau va spécialement d'elle-même sortir par devant et ce qu'on a mangé va sortir par derrière, subhanallah al-azim, comme a dit Allah Azza wa Jalla, wa fi anfusikum afala tubsirun. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ou là un radar qui dit à l'eau, toi tu vas passer de ce côté, à la poire qu'on a mangé, toi tu vas passer de l'autre côté? Impossible. C'est Allah Azza wa Jalla qui t'a créé. يعني في أحسن تقويم كي تكري في أحسن تقويم ça c'est seulement يعني la création. Alors si tu regardes les cieux etc ça n'en finira pas. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur montrons nos signes. سنريهم آياتنا في الآفاق dans l'univers, dans ce qu'il y a autour d'eux, وفي أنفسهم et en eux-mêmes. Quand tu te médites vraiment toi-même seulement, pas la peine de regarder les cieux et leur immensité. Tu te médites toi-même, subhanallah al-azim, Allah est le vrai croyant, yani,
يشاهد يقول لا إله إلا الله يعني comment tu es créé, regarde tes doigts, regarde tes ongles, regarde les paumes des mains, regarde les cils, regarde les sourcils, regarde les cheveux, يعني quelqu'un peut-il par exemple si tu perds un cheveu, quelqu'un peut-il te faire naître un cheveu, un vrai cheveu sur ta tête, c'est impossible. Tu perds les ongles, quelqu'un peut-il te faire naître des ongles, il va te donner des faux ongles. Quelqu'un perd une main, on va lui donner une vraie main, c'est impossible. Il est impossible. Comme a dit Allah Azza wa Jal, qu'il crée seulement un grain d'orge. Qu'il crée un grain d'orge. Je ne leur demande pas de créer des cieux. Il crée seulement un grain d'orge, ils ne pourront pas. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Ensuite, il a dit, وَنُؤْمِنْ بِانْتِفَاءِ كُلِّ مَا نَفَاهَ اللَّهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ نَفَاهَ عَنْهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَنَّ ذَلِكَ النَّفْيَ يَتَضَمَّنْ إِثْبَاتًا لِكَمَالِ ضَدِّهِ وَنِفْعَمْ مَا سَكَتَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ. Nous nions tout ce que Allah Azza wa Jal a nié à son sujet, ou ce qu'a nié son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette négation implique l'affirmation du contraire et sa perfection. Et nous nous taisons sur tout ce à propos de quoi Allah s'est tu, ainsi que son messager. Je voudrais dire ici, d'ailleurs je vais m'arrêter ici, que Allah Azza wa Jal, quand il dit quelque chose dans le Coran, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise par exemple d'Allah subhanahu wa ta'ala, moi, si je prends avec ce que j'ai entendu, est-ce que j'ai fait une faute? J'ai pas fait une faute. Si je lis dans le Coran, que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, مثلا لما خلقت بيدي. Ensuite il parle des yeux, وإنك بأعيننا. Il parle aussi par exemple le hadith sahih, le prophète Hassan dit que Allah Azzawajal mettra son pied sur l'enfer, que Allah Azzawajal descend chaque nuit, le dernier tiers, que Allah Azzawajal yani yagdab, etc. Ces choses là que je trouve dans le Coran, je trouve chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi si yani je crois ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, le jour du jugement dernier, c'est Allah Azza wa Jal va me dire, toi, pourquoi tu as dit que j'ai deux mains? Je vais te rentrer en enfer. Je lui dis, Allah subhanahu wa ta'ala, moi, quelle est ma faute? J'ai trouvé ça dans le Coran, et toi, tu m'as dit de lire le Coran. Et j'ai entendu le prophète Ayyus Salaam dire cela. Et tu as envoyé le prophète pour qu'on le suive. Est-ce que Allah Azza wa Jal va te faire quelque chose? Bien sûr, Allah Azza wa Jal ne va pas dire ce que je t'ai dit. Seulement un exemple. Mais maintenant, le contraire. Allah Azza wa Jal va te dire, Yom al-Qiyama, toi pourquoi tu as nié que j'ai deux mains? Tu vas lui dire, Allah, moi j'ai lu dans le Coran que tu avais deux mains, mais je me suis dit, si on dit là deux mains, ça veut dire que ça ressemble aux mains des créatures, alors j'ai préféré dévier le sens, au lieu de dire les mains, j'ai dit il a deux puissances, etc. Là je vais te dire alors moi, je ne pouvais pas faire ce que tu as fait. Si je voulais dire que j'ai deux puissances au lieu de deux mains, pourquoi n'aurais-je pas écrit dans le Coran, j'ai deux puissances? Pourquoi je fais de sorte à ce que je descende un Coran qui ne soit pas compris? Je fais descendre un Coran et ensuite les gens vont s'égarer. Alors que l'Azza wa Jal, il va te dire, alors j'ai dit dans le Coran, c'est des versets clairs, des versets yani, de lumière claire. Alors comment il va te dire, moi j'ai dit main, je voulais dire puissance. Si je dis main, je veux dire puissance, c'est pas tous les gens vont comprendre cela. Toi, tu as compris que c'est puissance, et X et Y, ils ne vont pas comprendre. Donc, là, je vais te dire, moi, j'ai dit main, ça veut dire main. Donc, il dira cela, d'aller en enfer, ou l'ayadu billah. Parce que, et remarquez, pourquoi ils ont dit, on dit pas main, par exemple, pourquoi ils dévient le sens, pourquoi? Parce qu'ils ont dans leurs cœurs sont souillés, leurs cœurs sont malades, ils ont teshbih. Dès qu'il a lu dans le Coran le mot main, khalas, il a vu Allah Azza wa Jal avec deux mains comme nos mains. Il a vu Allah Azza wa Jal avec deux mains, avec les ongles, avec tout ce qu'il y a dans nos mains. Pourquoi? Donc dans son cœur déjà, il y avait de la souillure. Il ne peut pas dire Allah Azza wa Jal a deux mains, mais deux mains qui ne ressemblent pas. Pour lui, ça c'est difficile. Il a dans le cœur le teshbih, la ressemblance, c'est ancré dans son cœur. Il imagine Allah subhanahu wa ta'ala comme nous, comme ça. Il s'assoit, il marche, il dort, je ne sais pas ce qu'il fait. Wal'iyadu billah. Pour lui, le fait de dire Allah a deux mains, ça veut dire qu'il a deux mains comme nous. Nous, on ne dit jamais de la vie.
on est le milieu, Al-Sunna al-Jama'a, toujours au milieu. Toujours on est au milieu, Al-Sunna al-Jama'a, ce sont les milieux dans toutes les choses, milieu fil aqida, milieu entre les sectes, milieu fil din, entre le difficile, entre le facile, toujours on est au milieu. Regardez par exemple quand Allah Azza wa Jalla a dit par exemple dans le Coran, la hawla wa la quwwata illa billah, il a dit, ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. Ne laisse pas ta main attachée à ton cou, c'est-à-dire tu es un avare, et ne la descends pas comme ça. Tout à fait. Yani, tu donnes tout ce que tu as, tu restes sans argent. Mais le milieu. Et il a dit, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. Quand tu fais la prière, ne fais pas voix haute jusqu'à ce que tu déranges les gens. Ils n'ont pas à voix basse jusqu'à ce que tu ne t'entends pas ce que tu dis. Il a dit dans le Coran, en parlant de Moussa alayhi salam, Inna yaqulu inna baqaratun la faridun wa la bikr. Allah Azza wa Jalla vous a dit aux Juifs que c'est une vache ni vieille, âgée, ni une petite vache qui ne peut rien faire, ni prendre la charrue, ni rien. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran aussi, il reste un quatrième verset que j'ai oublié, ces quatre versets. Le quatrième, il a dit, Naam, Ibad al-Rahman, il a dit, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا فِي وَرْشْقَلْ وَلَمْ يَقْتِرُوا. Donc il parle de Ibad al-Rahman, il a dit, إِذَا أَنْفَقُوا s'ils font le monde, لَمْ يُسْرِفُوا. Il ne va pas aller faire sortir tout ça en argent, comme j'ai dit. Ensuite, il va demander aux gens de lui emprunter. وَلَمْ يَقْتُرُوا. Et il ne va pas être avare au point de, il ne mange ni lui, ni sa famille, ni rien. Ensuite, il ne s'habille même pas. Ensuite, il va mourir, il va laisser son argent comme ça, des sachets à la maison ou bien des sachets, la banque pleine d'argent, une mesquine de porc, il n'a même pas bu dans sa vie peut-être un jus de fruits. Et alors qu'il voulait le boire. Il sait, يعني حرم نفسه وقد أغناه الله سبحانه وتعالى. Donc nous, conclusion, qu'est-ce qu'on dit? On dit toujours le milieu. On dit Allah Azza wa Jalla, tout ce qu'il a dit est véritable. Mais ce n'est pas, il ne ressemble à nous en rien et on ressemble en lui en rien. Comme a dit Ishaq ibn Rahawi, je le répète toujours, il a dit, من قال ليس لله يد أو يد فقد كفر. Il a dit, quiconque dit que Allah Azza wa Jalla n'a pas de main, c'est un kafir. Parce que Allah Azza wa Jalla a dit, j'ai les mains, j'ai deux mains, et les hadiths, etc. Je les ai dit dans le dars, ça fait une semaine ou dix jours, c'est pas la peine de les répéter. On a donné tous les détails dans chaque attribut. Donc il a dit, quiconque dit que Allah Azza wa Jalla n'a pas de main, c'est un kafir. Et quiconque va dire que Allah Azza wa Jalla a deux mains comme mes mains, c'est un kafir. Donc nous on est au milieu. On dit il a deux mains et pas comme nos mains. Il descend, pas comme on descend. Il rit Allah Azza wa Jalla, pas comme on rit. Il s'étonne, pas comme on s'étonne. Il, pas comme nous, et ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça qu'Al-Sunna al-Jama'a disent. Il reste beaucoup à parler, Inch'Allah, fil l'aqidah. On terminera, Inch'Allah, la prochaine fois. Maintenant, on se prépare, Inch'Allah, pour les questions. Je voudrais que les questions, cette fois, soient seulement dans le cours. Si j'ai temps après, on sortira du cours. Inch'Allah, ta'ala, dans 5 minutes, Inch'Allah, ta'ala, on va se rencontrer. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fih waqt, Ibrahim, fih waqt. Ah, pardon, j'ai dit fih waqt. Fih saut, je ne sais pas pourquoi je dis fih waqt. Ah, jazakallahu khairan. Inch'Allah ta'ala, on commence. Inch'Allah ta'ala, on commence. Chaque personne, Inch'Allah ta'ala, posera seulement une question. Seulement une question, ensuite elle descend. S'il y a du temps, elle remonte, Inch'Allah, elle lève la foi, elle lève la main, deuxième fois. Saliha, tafadlali, mashkoura, tafadlali. Wa alaykum salam, il ne faut pas confondre reproduire et créer. Naam, il y a une différence. Créer, on crée du néant. On crée du néant, on reproduit une chose qui existe déjà. D'ailleurs, le mot re veut dire, yani de nouveau. Comme on dit, redormir, rejeter, c'est pour ça que créer, c'est du quelque chose qui existe déjà, on l'a fait une deuxième fois, on l'a reproduit. Wallahu a'lam. Si c'est seulement cela la question, tafadhal Abu Muhammad.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que y a du son? Est-ce que le son est bon, inshallah? Barakallahu fikum. Cheikh, barakallahu fikum, jazakum ala khaira. Ushidu Allah ala anni wa hibuka fillah. Inch'Allah, j'avais une question par rapport à l'aqidah que le Cheikh avait dit. Je veux savoir, en fait, est-ce que le qiyas qu'on avait parlé la dernière fois, le cours précédent, peut être utilisé par l'aqidah? Est-ce que le qiyas peut être utilisé dans l'aqida? Et je veux savoir, est-ce que le, car il y a un hadith, je veux savoir s'il est authentique, comme quoi que Allah Azza wa Jal yafrah, et que le prophète Hassan a donné un exemple, c'est comme une personne qui se met contre un arbre et qui sait bien en son parquet avec sa monture, et c'est comme s'il revenait, et le prophète Hassan a donné un mithel. Et je veux savoir, est-ce que c'est. Est-ce que ça, ce qu'il a dit, le prophète alayhi sallam, est un qiyas? Et juste savoir, est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que c'est utilisable dans l'aqidah? Barakallahu fikum, jazakum allahu khayra. Jazakallahu khayra, akhi Abu Muhammad. Akhi Abu Muhammad, ahabbak Allah alladhi ahbabtani fih. Ahabbak Allah alladhi ahbabtani fih. Le qiyas dans l'aqidah, il faut que tu saches que le qiyas se divise en trois groupes. Il y a ce qu'on appelle qiyas awla, ou qiyas tamthil, ou qiyas shumul. Pour que tu saches ça, il y a trois groupes. Ça s'appelle qiyas awla, qiyas tamthil, qiyas shumul. Qiyas awla, c'est-à-dire chaque chose qui est parfaite en nous, Allah Azza wa Jal, elle lui convient mieux que nous. Si toi, par exemple, nous, par exemple, c'est de la perfection d'être beau. Alors Allah Azza wa Jal est plus beau, qiyas awla. Si nous, par exemple, on a de la rahma, etc., envers les gens, Allah Azza wa Jal, arham ar-rahimin, qiyas awla, min bab qiyas awla. Ça, c'est un qiyas valable. Ensuite, il y a le qiyas thani, qui s'appelle le qiyas shumul. Celui-là, c'est le qiyas de ce qu'on appelle des manatika. Manatika, c'est ceux qui font la logique, Socrate, etc. Là, c'est leur qiyas. Ah oui, bien sûr. On a le troisième qui s'appelle qiyas tamthil. Qiyas tamthil, celui-là, c'est le qiyas des usuliyyins. Qiyas qui se trouve chez les usuliyyins. Donc il y a trois qiyas. Qiyas awla, par si quelque chose nous convient à nous, quelque chose de parfait, à Allah subhanahu wa ta'ala, elle conviendra mieux. Ça s'appelle qiyas awla. Et qiyas tamthil, qiyas shumul. Sauf le premier qiyas est accepté dans l'aqida, qiyas awla. Et le deuxième qiyas, le troisième, tamthil, des usuliyyins, ou shumul, des philosophes, etc., il n'est pas accepté dans l'aqida. Inch'Allah ta'ala, tu as compris, Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'alaka fahimta hada al-amr. Et non, muhim jiddan. Ensuite, tu avais parlé de na'am, comme dans le hadith là. Allah Azza wa Jal, il voulait te montrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait te montrer par un qiyas que, yani, tu vois que quelqu'un, quand il est en plein désert, il a une monture, sur sa monture, il a l'eau, il a ce qu'il va manger. Ensuite, il arrive à un arbre, il veut juste se reposer un peu, et il dort. Ensuite, il se réveille, il ne trouve pas sa monture devant lui. En plein désert, ce n'est pas dans une ville où là, il va aller au commissariat. En plein désert, tu ne sais pas si tu vas à droite ou bien à gauche ou bien vers l'avant ou vers l'arrière. C'est comme lorsqu'on est en pleine mer. La même chose. Il faut avoir une boussole. Et d'ailleurs, dans le hadith sahih, il a dit, dans certains riwayats sahih, il a dit, il a marché à droite, il a marché à gauche, il n'a rien trouvé. Ensuite, il est revenu, il a dit, je vais revenir vers l'arbre, je vais dormir là-bas jusqu'à la mort. Il est revenu vers l'arbre, il s'est endormi une deuxième fois. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé la monture devant lui. Car sa monture avait marché, ensuite elle était passée devant son propriétaire qui dormait, et le fil qu'elle a dans le cou, par laquelle on la tire, s'est attaché à l'arbre où le bonhomme dormait, et elle est restée là-bas. Ensuite il s'est réveillé, il a trouvé la monture. Est-ce qu'il sera content lorsqu'il va trouver la monture devant lui? C'est sûr, une immense joie. En plein désert, il a retrouvé sa monture, et c'est tellement qu'il est venu. Il a dit, le prophète, Allah Azza wa Jal, la même chose. Il sera content comme celui-là qui a trouvé sa monture lorsque quelqu'un fait un repentir et il revient vers Allah
سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وأحكم. تفضل أخي حكيم تفضل. Hakim Abi, salam alaikum, salam rahmatullah. Vous pouvez nous expliquer Ihad fi asma'i? J'ai pas compris ça. Avec des exemples, barakallahu fik. Qu'est-ce que tu veux dire par là? El yu yuhidun. Ah, yuhidun. Ah, l'ilhad. نعم الإلحاد سي 3 أو 4 حكيم سي 3 أو 4 سورت بالإلحاد لاس إن شاء الله تعالى كونت أون فوا أريفي أو باب الإلحاد أون إي با لوان أون إي با لوان إي فا يافوا الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى لاس إن شاء الله تعالى أون سونتون أون بار جوست دو سكون أ دي جزاك الله خير جو ديغي إن شاء الله أفيك نعم أفيك دي ديتاي إن شاء الله كونت أون فا إي أريفي فيك بارك الله جو كوا كي نيا بلو دو كيستيون باسكو لا بيرسون كي أ لوفي لا مان. Ça veut dire que tous ont compris, alhamdoulilah, tous ont bien compris. On verra ça, inchallah, la semaine prochaine à l'examen. On va voir ceux qui ont bien compris, ils ne veulent plus lever la main. Inch'Allah ta'ala, je vous donnerai les questions et j'interdirai et je mettrai Allah subhanahu wa ta'ala témoin à quiconque, quand il me répondra, il ouvrira un livre. Il ouvrira un livre ou bien il demandera à quelqu'un. Il ne répondra que ce qu'il sait, ce qu'il a appris chez ses propres connaissances, ou bien ce qu'il a entendu dans la salle, c'est tout. Il ne répondra, car je ne lui demande de répondre que ce que j'ai dit, pas d'autre chose de nouveau. Tafadhal, Ali, tafadhal, Ali, barakallahu fik. Inch'Allah ta'ala, je dois arrêter à une heure du matin, il est moins 20, il reste 20 minutes, Inch'Allah ta'ala. Je dois m'arrêter pour, inchallah, dormir un peu tôt, car c'est difficile de dormir une demi-heure. Ensuite, yani on se lève très fatigué. Tfadli, Oum Aliya. Naam, entre le nom et l'attribut, il y a beaucoup de différences. L'une des plus grandes différences, c'est que chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala a un attribut. Et pas chaque attribut a, voilà, chaque nom a un attribut. Et pas chaque attribut a un nom. Chaque nom a un attribut et pas chaque attribut a un nom. Par exemple, tu dis Rahim, Rahim, c'est un nom. Donc Allah Azza wa Jal, c'est un nom, donc il a l'attribut Rahma. Tu dis Ghafour, c'est un nom, donc Allah Azza wa Jal a comme attribut Maghfira. Tu dis par exemple l'Azawajal al-Hakim, donc il a comme attribut Hikma. Mais tu dis des attributs et pourtant tu ne leur donnes pas de nom. Par exemple, l'Azawajal, tu sais que par exemple, Yati, Yom al-Qiyamah. Et tu ne dis pas l'Ati. L'Azawajal, Bana Samawat al-Ard. Ça, il a dit dans le Coran, Nao Bana Samawat al-Ard. Tu ne dis pas l'Bani. L'Azawajal Nafaha. Nafaha, c'est Ruhina, c'est Ruhi Adam. Tu ne dis pas Nafaha. Et ainsi de suite. Donc chaque nom contient un attribut, et pas chaque attribut contient un nom. Ensuite, il y a deux ou trois autres différences. Je vous dirai, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt on va commencer un livre de Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, qui s'appelle Qawaid al-Musla. On va parler de tout cela, Inch'Allah Ta'ala, avec détail. Wallahu Ta'ala a'lam. Umm Luqman, tafadhali. Umm Luqman, j'ai une question à poser avec le dars, Inch'Allah. Avec le sans rapport avec le DOS. Inch'Allah ta'ala, je vais répondre à celle qui est en rapport au DOS, mais je ne vais pas t'oublier, Inch'Allah, pour te donner l'occasion de, Inch'Allah ta'ala, tu répondre. Déjà, je demande à Ibrahim s'il est là, je demande à Benjabi Laoula de me faire, Inch'Allah ta'ala, souvenir. De me faire souvenir. Benjabi Laoula, t'as pas de l'aller. Ibrahim, tu es là, d'accord, tu me fais souvenir pour que j'oublie pas Mloukman, Inch'Allah. Non, les questions qui concernent la Aqida, il va y avoir des questions dans la Aqida et des questions dans le fiqh. Je te parle d'abord le premier examen, c'est dans la Aqida. On aura parlé des attributs,
les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, les yeux, le pied, yani, je demanderai bien sûr que certains dalils, par exemple, quel est le dalil de ceci, cela, et j'avais dit beaucoup de choses sur les choubouettes, et s'ils disent ainsi, comment qu'on doit répondre, et s'ils disent cela, comment doit-on répondre. Ce sont des choses que j'ai dites dans le DOS, j'ai dit, n'oubliez pas de les noter, j'ai même permis d'enregistrer avant que je disais qu'il ne fallait pas enregistrer. Ensuite, j'ai dit, ça ferait enregistre, écrit, je disais toujours le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qayyidu al-ilm bil-kitab, faites le ilm, laissez-le dans les livres, écrivez-le, car il part comme ça dans la tête, c'est pas des choses comme ça, yani, culture générale, c'est quelque chose qu'on apprend comme les mathématiques. Sinon, on n'écrit pas, on ne note pas, il va partir. Inch'Allah ta'ala, avant de l'examen là, je vous dirai quelles sont les choses qu'il faut, Inch'Allah ta'ala, réviser. Il y a cette affaire, barakallahu fik. Salam alaikum, salam alaikum, salam. Quel livre conseillerez-vous dans la aqidah pour un débutant, barakallahu fik? Justement, je parlais de j'ai dit qu'il va y avoir un examen, c'est aussi pour savoir le niveau de la salle, c'est tout. Quand je sais que le niveau est élevé, par exemple, je vais chercher des livres beaucoup plus difficiles. Si je sais que c'est un niveau moyen, je reste comme on est. Si c'est un niveau, par exemple, bas, je dois descendre et expliquer beaucoup plus et essayer de faire pour que les gens comprennent bien, car c'est très, très dangereux, la aqida, si on va apprendre faux. C'est un couteau à deux tranches. Deux tranchants. Yani, si on a bien compris la aqida, masha'Allah, qui peut être mieux que nous? Nous serons As'ad al-Nas, nous avons appris la meilleure chose que Allah Azza wa Jalla aime. Car c'est des choses qui ont rapport avec lui. La aqida, c'est direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on a appris déformé, ça va être difficile. Surtout que, on voudrait que les gens apprennent bien la aqida. Pourquoi? Premièrement, pour adorer Allah Azza wa Jalla à la basira. Et deuxièmement, pour être vacciné, comme ça, si tu parles avec un Ash'ari, tu parles avec un Habashi, tu parles ailleurs, tu as le délil. Et il ne peut pas t'influencer. Mais si tu n'as rien dans le corps, tu vas entrer dans la salle d'un Ahbash, par exemple, tu vas dire, Masha'Allah, celui-là, c'est un grand alam. Pourquoi? C'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas fort en quelque chose, il ne peut pas dire, par exemple, celui-là, c'est un alam ou ce n'est pas un alam. Pour que tu saches, toi, que quelqu'un est un alam, il faut quoi? Il faut que tu aies du ilm en ce qu'il parle. Celui qui n'a pas de ilm, il va écouter quelqu'un, il ne peut pas dire celui-là c'est un alam, ce n'est pas un alam. Par exemple, je donne un exemple très simple. Par exemple, en arabe, quand on dit inna, par exemple, inna, tansab al-ism wa tarfa' al-khabar. On dit par exemple, inna allaha jamilun, par exemple. On dit inna al-insana va'ifun. Maintenant, si quelqu'un ne connaît pas, par exemple, cette règle, il va écouter quelqu'un qui va dire Inna Allahu jamilan. Si tu connais pas que, si tu vas, donc tu connais pas ça, tu peux pas dire celui qui a parlé c'est un alam. Au contraire, si tu connaissais, tu vas dire celui qui a parlé, il n'a jamais étudié l'arabe dans sa vie. Donc pour que tu dises quelqu'un c'est un alam ou là, il faut que tu connaisses toi la chose elle-même. Tu entends quelqu'un par exemple parler en français, il va dire par exemple, il faut que je pars. Il faut que je va. Alors qu'il doit dire, il faut que je parte, il faut que j'aille, il faut que je dise. C'est au subjonctif. Maintenant, s'il dit, il faut que je parte, il faut que je va, il faut que je dise. Tu peux pas dire, c'est quelqu'un de fort en français. Tu peux pas dire, parce que toi, tu ne sais pas qu'il faut qu'on dise, il faut qu'il parte. Donc, c'est pour ça que je voudrais que vous appreniez bien, surtout l'aqida, comme ça, quand vous rentrez dans une salle ou là, Inch'Allah, moi, je vous demande pas, je vous conseille pas de rentrer. Vous rentrez dans une salle dégarée, etc., au moins quand vous entendez, vous avez la boussole avec laquelle vous marchez, vous avez le vaccin. Quand il va dire quelque chose, vous avez déjà comment réfuter, comment annuler les preuves, les fausses preuves. Quand ils ont des choubouettes. Tu connais pas le mal, tu peux pas t'en éloigner que eux, il va faire quelque chose de bien, alors que c'est du mal. C'est pour ça qu'il faut connaître le mal. Comme disait Hudayfa ibn al-Yaman, il disait que كل الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. Donc le prophète, le compagnon Jalil,
Hudhayfa ibn al-Yaman a dit tous les autres compagnons demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam le bien, sauf moi je lui ai demandé le mal. Pourquoi? Pour ne pas yani, tomber dans le mal. Quand tu connais le mal, tu ne tombes pas dans le mal. Quand tu connais le shaitan, comment qu'il fait, et quels sont par exemple les trucs, les portes desquelles il rentre et les fenêtres, là tu vas lui rentrer, tu vas lui fermer les portes et les fenêtres. Mais tu sais pas blessada comment qu'il vient, d'où il vient, tu vas lui ouvrir toutes les portes et tu ne sais pas qu'il est rentré par cette porte. Wallahu ta'ala alam. Na'am Abu Talib, na'am. Je disais que Al-Faqira ilallah, tafadali. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'a posé une question, j'ai oublié, il faut que je vois ici. Abu Talib, il a commencé par inviter. Ensuite, est-ce qu'il y a une question qui m'a été posée ou non? Ah, d'accord, j'ai pas répondu à la question. Pour le livre, je savais qu'il y avait quelque chose. Pour le livre, même le débutant, Akhi Elias, même le débutant, il y a débutant et débutant. Il y a le débutant qui ne connaît rien, rien de rien. Il fait seulement la prière. Il y a le débutant, il assiste au doros, etc. Il dit, je suis un débutant. C'est pour ça que il y a débutant et débutant. La plupart commencent par l'Usul Salafa. La plupart des ulama, quand ils guident quelqu'un, ils lui disent, tu commences par l'Usul Salafa. L'Usul Salafa. Ensuite, ils commencent à aller un peu vers le plus compliqué. Il lit, s'il veut bien apprendre la aqidah, qu'il lise beaucoup, beaucoup les livres de Cheikh Ibn Uthaymin et les explications de Cheikh Ibn Uthaymin. Car Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah, c'est un nusra musagara, c'est une copie, une photocopie, une petite photocopie de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Donc celui qui peut, bien sûr, à un bon niveau, il va directement à Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Mais si c'est un peu difficile, il commence par Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah. Il est très fort dans la aqidah, il est très fort dans toutes les matières, inshallah ta'ala. Ukht al-faqira, tafaddali. Ukht al-faqira, peut-être qu'elle a le point rouge. Naam. Ibrahim, aide-moi, barakallahu fik, la sœur avait un point rouge. Jazakallahu khair, Ibrahim, je ne peux pas faire tout à la fois. Regarde, elle avait un point rouge, elle attend peut-être, ça fait 10 minutes. تفضلي الأخت ما تقول تفضلي بارك الله فيك الأخت الفقيرة إلى الله اكتبي سؤالك بارك الله فيك وحاول أن يكون على مقاطع لأنه لا يمر صعب إمراره في دي كوبير دو تخوا كوبير إذا كتبتي كل جمل ولا ما راح تظهر على الشاشة بجملة ومن بعد أرسليها وجملة وأرسليها جملة وأرسليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في صوت؟ الحمد لله. نعم. apparemment donc le chef il a une déconnexion. Ouais, inshallah il va essayer de revenir donc je vais بارك الله فيكم وحياكم الله جميعا و je vais essayer de faire mon possible inchallah pour qu'il y ait le plus possible حياكم الله وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما عمي دعويني الحمد لله و il va essayer de trouver sur vos présentés inchallah بارك الله فيكم j'ai insisté au fait pour me poser la question inchallah sur le fait de savoir si les questions étaient relatives au cours ou si elles pouvaient poser, on pouvait poser plusieurs questions. Inch'Allah, à l'époque de l'école, on posait des questions sur la Aqida. Car les cours, essentiellement, en ce moment, ils sont sur la Aqida, c'est très important. Et pour éviter d'aller trop loin dans les questions, et en même temps, pour ce qui est des questions de la Aqida, c'est normalement celles les plus importantes. Inch'Allah, posez vos questions sur la Aqida en priorité et on verra pour d'autres questions plus tard. السلام عليكم ورحمة الله. إبراهيم فيه صوت.
Ah, Jazakallahu khayran. C'était la Fakira qui avait posé une question. Elle avait dit de. Yani, quelle est la différence entre le nom et la tribu? Le nom et la tribu. Je crois que Fakira, si elle est là, je vais voir d'abord si elle est là, parce que c'est pas la peine de répondre à quelqu'un qui n'est pas là. Fakira, elle est là. Fakira, puisque tu n'as pas de point rouge, puisque tu n'as pas de point rouge, écris Baraklaou, qu'est-ce que je te réponds en arabe ou en français? Fakira, écris A si je te réponds en arabe ou la F si je te réponds en français. A. طيب الاسم الاسم الفرق بين الاسم والصفة تقريبا بشيئين تقريبا الاسم أسمى الله سبحانه وتعالى هو الاسم وما دل على ذات الله سبحانه وتعالى في نفس الوقت مع صفاته الكاملة في الاسم نستطيع أن نشتق منه الصفة أما الصفة فلا نشتق منها الاسم كل اسم يتضمن كل اسم يتضمن ماذا يتضمن صفة فإذا قلنا مثلا على سبيل المثال إذا قلنا الرحيم هذا اسم يتضمن صفة الرحمة إذا قلنا القادر هذا اسم يتضمن صفة القدرة إذا قلنا العظيم هذا اسم يتضمن صفة العظمة وهكذا فكل اسم نستطيع أن ماذا أن نستخرج منه نستنبط منه صفة معينة صفة وصفات ترى صفات أكثر لكن لا نشتق من كل من صفة الاسم مثلا الله عز وجل مثلا نقول أنه يجيء فلا نقول عنه مثلا إنه الجائي والله عز وجل مثلا يريد لا نستطيع أن نقول المريد اسم من أسمائه الله عز وجل مثلا يمكر بالذين كفروا فلا نقول عنه الماكر لا نقول عنه الماكر لماذا؟ لأن هذه صفات فالصفات لا نأخذ منها الاسم وكل اسم نأخذ منه صفته إن شاء الله تعالى هذا الذي قلته وأعدته الآن باللغة العربية إن شاء الله تعالى في كتاب تاع القواعد المثلى إن شاء الله نتطرق إلى هذا بتفاصيل أكثر إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم أم سكينة تفضل علي ونسويت ديريكتومون أم لقمان ونتغمي إن شاء الله تعالى فيك بارك الله الحمد لله يعني أنك فهمتي الحمد لله أنك فهمت السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله Je voudrais savoir pour un début dans le din doit-on commencer par l'aqida ou par usul inshallah autre chose j'ai pas compris le mot après aqida doit-on commencer par l'aqida ou par usul يعني الاصول quel usul usul salafa ou la usul fiqh j'ai pas compris أم سكينة لم أفهم لكن ممكن أصول الثلاثة je ne sais pas je suis pas sûr إبراهيم parce que أصول c'est عقيدة أم سكينة أصول c'est العقيدة أصول ثلاثة c'est un livre de عقيدة donc je ne vois pas je commence par la عقيدة je commence par le livre أصول ثلاثة et tu as commencé par la عقيدة Dans la Aqida, il y a ce qu'on a fait aujourd'hui, l'asma, les noms, les attributs, etc. C'est une partie de la Aqida. Naam, kitab tawhid ou l'usul. Naam, kitab tawhid ou l'usul salata, tout ça c'est la Aqida. Tout ça, c'est la Aqida. Tout ça, ça fait partie de la croyance. Donc c'est la Aqida, inshallah ta'ala. Un mu'min, tafadbali. J'aimerais savoir quel est le jugement et comment se passe pour une femme qui en voyage. J'aimerais savoir quel est le jugement et comment se passe pour une femme qui en voyage pendant deux ou trois jours en voiture avant d'arriver à destination. Comme Lokman, est-ce que tu veux parler d'une femme qui voyage seule, sans mahram? Comment fait-elle la prière? Ah, les ablutions, il faut nous rappeler ce qu'on doit faire lors du voyage. Comment fait-elle pour les ablutions? Non. En principe, quand quelqu'un fait le voyage, ah, non.
Je croyais que tu voulais savoir si c'était fermé sans mahram. Maintenant, j'ai compris quelle est la question. Quand on fait un voyage, en principe, on doit, yani, à chaque fois que c'est possible, on doit s'arrêter pour faire la prière à l'heure. À chaque fois que c'est possible, on doit s'arrêter. Si par exemple on part par voiture, on doit s'arrêter. Par exemple, c'est le Asr, on s'arrête, on rentre à telle mosquée, on fait la prière et on continue. Surtout pour les hommes. C'est comme ça normalement que ça doit se faire. Maintenant, si par exemple on voyage, on ne trouve pas par exemple de l'eau, et on sait que par exemple la prière, son heure va sortir, on n'a pas trouvé de l'eau, parce que ça arrive des fois, on est en voyage, et par exemple, on sait que la prière va sortir. En voyage, il est permis de grouper entre deux salates. Par exemple, il est le temps du dhuhr, tu dis, je vais faire le dhuhr 2 rak'at, et asr 2 rak'at, parce que peut-être je vais dormir, je vais pas me réveiller. On peut donc soit rapprocher la salate si l'heure de la première est rentrée, soit reculer la salate si l'heure n'est pas encore rentrée, on la recule à la deuxième. Par exemple, il n'est pas encore le dhuhr et j'ai vraiment envie de dormir, il n'est pas encore le dhuhr. Je dors avec l'intention de, je me réveille, je fais la salate, dors ensuite le asr. Non, ça s'appelle le jama. Non, le jama. Et le taqsir, bien sûr, on le fait. C'est, au moins, si c'est pas wajib, ça frise le wajib. Yani, le taqsir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait un voyage sans faire le taqsir. En général, voilà ce que je veux dire. Yani, on pense surtout à la salat et comment la faire à l'heure ou bien quand on est fatigué, etc. On joue entre les deux et on les fait soit reculer, soit avancer. Wallahu ta'ala alam. Il y a beaucoup de choses qui restent à dire, bien sûr, mais elles sont yani, moins importantes. Wallahu ta'ala alam. أخي عبد الكريم دي الإميرة تفضل عبد الكريم تفضل ça je l'ai dit que Inch'Allah ta'ala la semaine prochaine j'ai dit que je vais non elle prie même par exemple si elle sait que si elle va prier là tous les gens vont la voir etc. elle prie par exemple derrière la voiture elle peut prier derrière la voiture c'est très simple elle peut prier derrière la voiture non derrière un arbre derrière une voiture derrière un coin elle trouve toujours un endroit où elle peut prier. Non. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Fiki barakallah alaykoum. Ayyakoum la jamil. Ma ahmi taghyir al-munkar fi l'islam. Wa marad al-ladhina yuqassiruna fi dhalik. Ma. Non. Je crois que les questions commencent à venir. Je vois déjà des 3 mains qui se sont levées. Akhi Abdel Qadir. Pardon, Abdel Karim. Non, Akhi Abdel Karim. Taghyir al-munkar la yakhfa alayka wajib. واجب وأنه منوط بالقدرة ولو أحكام وشروط يعني يطول ذكرها في هذا المقام من أهم شروطها كما قلت القدرة والعلم وأن لا يأتي بمنكر أكبر منه ولا يأتي بمنكر أن يكون أكبر من الذي أزاله كما يفعل الخوارج يريدون إنكار المنكر على الحاكم ويأتون ببدع بدع الخروج والتقتير والقنابل والصواريخ وقتل الناس بما إلى غيرها من أعظم الشروط أن لا يأتي بمنكر أكبر منه وكما قلت لك يعني يحتاج إلى تفاصيل كثيرة إن شاء الله تعالى ستأتي في محلها وكل أحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغير بيده فإن مستطع فبلسانه فإن مستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان والله تعالى أعلم أم هاجر تفضلي parce qu'on va terminer تفضلي بارك الله فيك عبد الكريم وفتح الله عليك أنت أيضا وعلى جميع من هو في القاعة إن شاء الله تعالى فتح الله عليكم وجعلكم إن شاء الله من طلبة العلم ومن العلماء يا رب العالمين أم هاجر هذه
Alaykoum salam, salam barakatou. Beaucoup de personnes, quand ils parlent, ils utilisent le terme créer. C'est pas grave. Par exemple, j'ai créé ma société. Non, j'ai parlé de ce mot hier. J'ai parlé de ce mot hier. Et j'ai dit que créer avait deux sens. Créer du néant, création. Et certains emploient le mot créer, mais ils ne veulent pas dire. Ils ne veulent pas dire de ce que Allah Azza wa Jalla veut par créer. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam a dit wa takhluquna ifka. Et les ulama ont dit de préférence on évite ce mot. De préférence on évite ce mot, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Quoique, si on l'emploie dans le deuxième sens, certains ont dit il est possible. En deuxième sens, qui n'est pas créé de nouveau, mais c'est seulement reproduire ou la reproduire. Je crois que c'est Cheikh Ibn Rasimin Ahmadullah qui a dit ça. Mais de préférence, pour que les gens ne prennent pas de nous, les gens vont dire j'ai entendu X, il a du ilm, il a dit créer. J'ai entendu X, il dit créer. Pour ne pas prendre le mot de nous ensuite, eux, ils l'emploient dans le sens qui n'est pas permis. Inch'Allah ta'ala, on ne dit pas c'est mieux. Wallahu ta'ala a'lam. إلهام تفضل آخر سؤال إن شاء الله تعالى تفضل إلهام أخت إلهام quand quelqu'un va voir une femme chez elle pour la demander en mariage il ne voit pas ses cheveux car c'est une étrangère pour lui et le fait d'aller la voir il ne s'est pas encore marié sachant qu'elle ne porte pas le khimar si celui-là qui va la voir c'est celui-là qui va la voir, c'est un multazim. C'est un multazim certain, il y en a un pratiquant. Celui-là, il ne se permet même pas à lui de la laisser rentrer comme ça avec les cheveux. Il y en a, même lui, il n'accepte pas. Comme il n'accepte pas de voir une femme dehors avec les cheveux, il n'accepte pas aussi de voir quelqu'un qui montre ses cheveux dans la maison. Même lui, il va lui dire, il va demander à ses parents qu'elle se couvre. Pourquoi? Parce que comme il lui est pas permis de la voir dehors, il lui est pas permis aussi de la voir dans sa maison, ni de voir ses cheveux. Et celle qui ne porte pas le khimar, qu'elle sache qu'elle fait là des grands péchés. Celle qui ne porte pas un khimar, qui marche avec ses cheveux comme ça, découverts, il faut qu'elle sache que c'est un grand péché. C'est un grand péché. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a demandé dans le Coran à la femme qu'elle, si vraiment elle aimait Allah Azza wa Jal et si vraiment elle croyait en lui, qu'elle devait faire ce qu'il voulait, ce qu'il a demandé. Il a demandé quoi? Il a demandé qu'elle ne montre. Je ne parle pas du visage, Ilham, je parle des cheveux. Nous, on est en train de parler des cheveux. C'est ça le khimar. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi avec mes frères et mes sœurs qui vivent en Europe, il y a cette mouchkila là. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai demandé. J'ai dit qu'est-ce que tu veux dire par hijab? Je ne sais pas pourquoi. Le hijab, barakallahu fikoum, le hijab, c'est ce qu'on peut appeler en arabe jibba. C'est quelque chose qui commence par les épaules, elle descend jusqu'en bas. On appelle ça hijab. On le met sur les épaules. Le khimar, c'est quelque chose qu'on met sur la tête. Sur la tête. Ou yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Sur la tête. Et ce qu'on met sur le visage, ça s'appelle le niqab. Le niqab, c'est un naqab. Ou le sitar. Le sitar, s'il descend du haut jusqu'en bas. Mais donc toi, je crois que tu as posé la question sur une chose. Moi, je répondais sur autre chose. Toi, tu parlais d'une chose, moi, je répondais d'autre chose. Maintenant, je ne sais pas exactement quelle est ta question. S'il a le droit de voir son visage, ou s'il a le droit de voir ses cheveux. C'était pour les cheveux, d'accord. Pour les cheveux, elle n'a pas le droit de montrer ses cheveux. Pour le visage, il y a ikhtilaf bayn ulama. Il y a certains qui disent c'est awra, et certains qui disent c'est pas awra. Si elle est convaincue par ceux qui ont dit que c'est pas awra, et qu'elle découvre le visage, ça c'est autre chose.
Surtout que dans un pays de kofr, etc., de préférence que la femme ne permet pas au kafir qu'il voit son visage, bien sûr, si elle peut. Hakim tafadhal, Hakim tafadhal. Hakim, comment une copie? Je n'ai pas compris. Pouvez-vous faire une copie des questions de l'interrogation? Ah, non, j'ai pas encore dit qu'elle. Tu parles de l'examen. Est-ce que tu parles de l'examen? Tu parles de l'examen? J'ai pas encore dit. Non, j'ai pas encore dit sur quoi ça va être. J'ai dit seulement Aqida. La prochaine fois, inchallah, je vous dirai sur telle chose et telle chose et telle chose. Sur telle chose et telle chose et telle chose. Je vais prendre, inchallah, le dernier. Comme ça qu'il a, tu m'excuses parce qu'il est tard. Inch'Allah ta'ala, on a ça demain. Jawad, fils de Ali, pose ta question, barakallahu fik. Ou bien écris là, Jawad, barakallahu fik. Tu m'excuses pour les autres. Il est déjà à 1h15, je devais arrêter un peu avant. Walaikum salam. Je voudrais savoir quel est l'avis des savants sur le fait de pratiquer de la boxe anglaise sans faire des compétitions. Je lui ai répondu, Ibrahim. Ibrahim. Comme l'Oqman, je lui ai répondu. La boxe anglaise, je ne sais pas exactement ce que c'est. La boxe anglaise, quelle est la différence entre la boxe et la boxe anglaise, Akhijawad? Quelle est la différence entre la boxe et la boxe anglaise? Il faut d'abord que je comprenne. La boxe avec les mains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas donc, les gants. Il n'y a pas les gants, c'est ça? Les points seulement. Ah. Et alors, quelle est la différence entre l'anglaise et l'autre boxe? Il y a une autre boxe sans les gants? Il y a une autre boxe sans les gants? Akhi Jawed, est-ce que tu parles chauffe? Parlons peu qui m'a égoulé. La française avec les pieds. Ça. Chauffe Akhi Jawed, pour être sûr de, on est sur le même, on parle de la même chose. Parlons de la boxe normale. La boxe de Muhammad Ali et la boxe de Mike Tyson. Tu parles de celle-là, la boxe de Muhammad Ali et Ben Gharbi en Amérique. Il y a cette boxe. Maintenant, j'ai compris. Parce qu'il faut bien, quand on pose une question, vous lui comprendre bien avant de répondre. Khalina Chauffeau, maintenant ta question. Je veux savoir quel est l'avis savant sur la pratique de la boxe anglaise sans faire des compétitions. L'avis des savants, comme a dit Cheikh Ibn Othaymin, alayhi rahmatullah, je crois aussi même d'autres, c'est interdit. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de frapper le visage. A interdit de frapper le visage, et cela, malheureusement, il frappe le visage. Et même s'il ne frappe pas le visage, il peut frapper quelqu'un, par exemple, au ventre et l'envoyer à l'hôpital. Et le prophète alayhi wa sallam a dit la darar wa la darar. Et il peut le frapper jusqu'à ce qu'il meure. Il peut même faire mourir quelqu'un. Mais le plus important, c'est quoi? C'est le visage. C'est à cause du visage. Sinon, par exemple, il y a certaines disciplines comme le karaté, etc. C'est pas interdit. Pourtant, tu peux frapper à la poitrine, etc. Mais à cause du visage. Ici, les marines sont des mécréants. Eri, même le kafir, tu n'as pas le droit de le frapper au visage. Le kafir. Car le kafir, c'est Allah Azzawajal qui l'a créé. Il l'a créé à la sourate Adam alayhi salam. C'est pour ça que même le kafir, tu ne le frappes pas au visage. Interdit de frapper au visage, c'est général. C'est général. Lakin, si je trouve, inchallah, des ulama qui ont dit c'est permis, je te dirai. Moi, j'ai lu Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah, il a dit c'est interdit. La bourse anglaise a dit, elle est interdite. Si, inchallah ta'ala, je te trouve, inchallah ta'ala, d'autres, inchallah ta'ala, je te dirai. On se rencontre demain, inchallah, à la même heure, peut-être un peu avant, demain, au lieu de 23h, au lieu de 22h européennes chez vous, disons 21h30. Inchallah ta'ala, on se rencontre avec le dars du fiqh, inchallah ta'ala. Demain, on va parler du rusl, comment se fait le rusl, inchallah ta'ala, en islam, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le rusl, ils font beaucoup de fautes. Hayyakum Allah, barakallahu fikum, jazakum Allah khayran, Allah an yiftaha alaykum. وأن يبارك لكم فيما تتعلمون
وأن يجعلكم تعملون به وأن يجعلكم من طلبة العلم المخلصين الذابين عن سنته وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.